je vais voir si Monsieur Si, ouais, bonsoir à vous. Comment allez-vous? Alors, Monsieur Si, vous me recevez? C'est un test. Est-ce que vous me recevez, Monsieur Si? Voilà, donc je vais ouvrir le micro de Badi Touré, voir si vous m'entendez. Monsieur Badi Touré, vous m'entendez? Oui, monsieur Bangoura, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Voilà, d'accord, c'était un test. Bonsoir à vous, mon frère. Merci d'être venu. Je dis bonsoir à tous les auditeurs de la grande radio, la Basse-Côte internationale. Restez connectés. Je vais partir en pause musicale. Le temps pour moi de rentrer en contact avec mon invité, M. Mohamed Traoré, dit B52. OK? Voilà, merci. Merci, Badi Touré. Voilà, chers auditeurs, c'est comme ça va se passer ce soir. Hein, la grande radio, la Basse-Côte internationale, la radio de la contradiction. Voilà, nous allons poser des questions à M. Mohamed Traoré tout à l'heure par rapport à la situation politique de notre pays. OK? Voilà, restez connectés. Après cette pause musicale, le temps pour moi de rentrer en contact avec lui. Sorry.
joindre Monsieur Traoré Mohamed B52. Les techniciens vont continuer. Et nous allons continuer à chercher. Vous savez, vous connaissez la ligne de Conakry. De toutes les façons, on lui a parlé il y a quelques minutes. Voilà, donc on cherche à le joindre. Restez dans le débat. Et ça sera un plaisir pour moi de vous donner cette opportunité. La ligne est très, très, très saturée. On va ouvrir ce débat. En attendant, en donnant la chance aux techniciens de continuer, de persister, d'insister sur la ligne de Conakry. Comme vous le savez, c'est la préparation du côté de Conakry par rapport
à ce meeting, comme M. Traoré est aussi occupé, il est en train de préparer son groupe. Donc je crois que c'est pour cette raison la ligne est un tout petit peu saturée et nous avec lui. De toutes les façons, on va lui donner la chance, on va insister, les techniciens vont insister. En attendant, nous allons ouvrir ce débat. Ça sera le seul sujet à débattre aujourd'hui, ce meeting de l'opposition et comment Traoré et Mohamed Traoré dit B52 compte empêcher ce meeting de l'opposition demain. Voilà, il compte, cet ancien collaborateur de l'UFDG compte empêcher ce meeting de l'opposition demain. Donc c'est comme ça que ça se passe. Comment il compte faire cela, ok? Les risques et les conséquences de ce meeting dans le Kaloum. Pourquoi c'est le Kaloum que l'opposition guinéenne, dirigée par Elias Eloudalin, a choisi? Pourquoi c'est le Kaloum qu'ils ont choisi pour leur meeting, ok? Voilà, donc pour cela, on va ouvrir ce débat, chers auditeurs, ça sera un débat sans passion, hein. Si vous êtes à la radio de la contradiction, la radio de la de tous les Guinéens, la Guinée numéro 1, la radio de la contradiction. Voilà, donc on va ouvrir ce débat, je vais ouvrir quelques micros tout à l'heure, on va commencer le débat en attendant que les techniciens rentrent en contact avec notre invité, M. Mohamed Traoré, du côté de Conakry. Voilà, je vais partir du côté de New York, Ohio, dire bonsoir à mon frère Safa Tunkara. Safa Tunkara est là, il est membre, un membre très influent de l'UFDG. Je vais lui poser quelques questions tout à l'heure avant de prendre notre invité. Je dis bonsoir à M. Mohamed Si, bonsoir à tous les auditeurs qui sont connectés. Les techniciens sont en train de se battre pour de rentrer en contact avec M. Mohamed Traoré, B52, à partir de Conakry. Alors, M. Safa Tunkara, bonsoir à vous. Comment allez-vous, mon frère? Merci bien, M. Bangoura. Ça fait plaisir de vous retrouver une fois encore sous vos antennes. Ouais. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que j'aimerais échanger avec vous et vos auditeurs par rapport aux préparatifs du meeting de demain. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir, hein, puisque là, je vous ai envoyé un texte, mais ça, c'était pour me permettre, me permettre d'obtenir des informations du côté de l'opposition aujourd'hui, comme l'opposition, comme vous le savez aujourd'hui, et là, c'est Loudalin Diallo se retrouve seul dans cette opposition. Alors, est-ce que vous pourrez nous expliquer un tout petit peu quels sont les préparatifs du côté de l'opposition à partir de Conakry? Écoutez, les préparatifs se passent très bien. Comme vous l'avez suivi au cours de la journée, ce samedi a coïncidé à une assemblée hebdomadaire et le président Sélou Dalin, chef de file de l'opposition guinéenne, en a profité pour faire passer une fois encore le message et le thème à débattre lors de ces meetings politiques. Il s'avère que nous avons déposé une lettre d'information et d'autorisation pour ce meeting à Kaloum demain, et nous avons obtenu l'autorisation auprès du gouvernorat. Donc, pour le moment, tout se passe très bien. Monsieur Banosso, qui est désigné par l'opposition républicaine en tant que, je pense, directeur ou responsable principal de l'organisation des manifestations, il était au bureau du gouverneur et ils se sont entendus sur les modalités de sécurité, comment sécuriser les biens et les personnes humaines, comment encadrer la manifestation. Et de notre côté, nous avons pris l'engagement de rester dans le domaine du respect réglementaire et de la loi. Nos militants, on les éduque tous les jours, comme vous le constatez. On les éduque à travers les meetings hebdomadaires. Et on a pris un engagement solennel de ne se mettre sur la place publique pour ce meeting politique, rien d'autre, c'est tout. Voilà, mais M. Tunkara, pourquoi c'est le Kaloum que vous avez choisi cette fois-ci pour ce meeting-là? Pourquoi le choix du Kaloum?
Cette question me pose assez de soucis parce que je pourrais aussi vous demander pourquoi pas Kaloum. À partir du moment que Kaloum est du territoire national et du territoire de la République de Guinée, je pense que tous les citoyens et toutes les organisations sociales et politiques ont de se mouvoir, de se manifester et de se rassembler sur tout le territoire guinéen à partir du moment qu'ils ont obtenu cette autorisation. Tout à fait. Là, ouais, ils sont libres de manifester partout où ils veulent. Si la procédure, ils ont suivi la procédure normale, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a l'inquiétude, je crois que le Kaloum est un point stratégique. Je crois que c'est pour cette raison les gens sont un tout petit peu inquiets. Mais de toutes les façons, vous avez parfaitement raison. Vous êtes libre de manifester partout où vous voulez, sur toute l'étendue du territoire, si vous avez l'accord du gouvernorat. Alors, vous avez mon invité, M. Mohamed Traoré, B52, c'est un ancien collaborateur à vous, M. Tafa Tounkara. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'UFDG? C'était Abakar Soumah qui était là la fois dernière, il a démissionné. Aussi, aujourd'hui, on retrouve M. B52 qui a des problèmes avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas au sein du parti? Qu'est-ce qui ne va pas, M. Tafa Tounkara? Qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'UFDG? Bon, je pense quand vous dites au début, à l'introduction, je vous ai entendu dire ancien militant de l'UFDG, et maintenant vous dites ancien collaborateur. À ma connaissance, M. Traoré n'est pas ancien militant ni ancien collaborateur du parti. Il a été suspendu de ses fonctions, ce qui ne veut pas dire qu'il a été renvoyé du parti ou bien qu'il a été exclu du parti. Jusqu'à présent, il est membre du parti. Mais il a été suspendu de sa fonction. Maintenant, il peut faire appel ou recours au sein des instances du parti pour se défendre, pour se défendre ou bien s'opposer à cette décision de la direction nationale. Il sera écouté et si ses arguments tiennent, il sera remis à sa fonction encore, comme il se doit dans le texte. Maintenant, vous avez aussi cité M. Abakar Souma, mais vous avez omis de citer M. Mamadou Bari, vous avez omis de citer M. Baouri, vous avez omis de citer tous les cas de suspension des cadres du parti pour infraction ou bien pour un délit qui va à l'encontre des règlements intérieurs du parti. Ce que nous disons au sein de l'UFDG, nous aspirons à gérer une nation. Et une nation ne se gère pas sans la rigueur, sans le respect des règles. Une fois que les règles et les lois sont établies, il va de droit qu'on les respecte. Quiconque viole ces principes sera soumis aux règles et aux sanctions. Je pense que c'est sous cet angle qu'il faut voir la chose. Et il n'y a pas de catégorie de personnes. Tous les militants sont égaux dans le parti. Tous les cadres sont égaux. Ils ont seulement différents niveaux de responsabilité. Mais quiconque viole ces règles, il va subir les sanctions ou sera soumis aux règles qui ont été établies et dont lui-même il a adhéré en signant son adhésion au parti. Voilà, d'accord. De toutes les façons, M. Mohamed Traoré viendra tout à l'heure pour se défendre, puisqu'il a, je crois, il a un tout petit peu des problèmes par rapport à cette suspension avec l'UFDG. Je crois qu'il a parlé dans une radio de la place hier, c'était sur Jacques Roger, par rapport à ces 5 millions-là. Bon, est-ce que, M. Safa Tounkara, vous pouvez dire aux auditeurs qui vous écoutent de partout dans le monde, qu'est-ce que vous reprochez et pourquoi M. Mohamed Traoré a été suspendu? C'est à cause, c'est pour un détournement de 5 millions. Est-ce que vous confirmez cela? Bon, Monsieur Bangoura, je pense, avec tout le respect que je vous dois et l'auditoire, je me réserve de tout commentaire par rapport à cette question. Comme la lettre de suspension l'indique, il est suspendu pour des raisons d'escroquerie. Voilà. Maintenant, les détails. Je ne suis pas dans la liberté D'accord. de rentrer dans ces détails pour le moment, mais je pense avec l'évolution des choses, si la direction nationale juge nécessaire
de mettre ça sur la place publique, on le fera. Mais en tant que membre du bureau exécutif, j'ai la responsabilité de me réserver de tout commentaire sur ces dossiers spécifiques jusqu'à ce qu'on voit comment les choses vont évoluer et donner aussi l'opportunité à M. Traoré de se défendre parce qu'il a le droit de se défendre, il a le droit de faire recours aux instances du parti. Donc tout cela, c'est pour vraiment faciliter les choses parce que parfois, par frustration, on peut dire les choses avec le temps qu'on pourra regretter. Donc moi, j'aurais souhaité que M. Traoré ne rentre pas dans des débat ou dans une bataille contre l'UFDG, c'est responsable avec les accusations parce que ça sera causé par une frustration alors qu'il a toute l'opportunité de revenir dans les instances, de faire recours et de présenter son cas, défendre son dossier. Monsieur Traoré nous fait savoir qu'il est prêt à contrecarrer ce meeting dans une déclaration de ce meeting géant de l'UFDG demain. On allait lui poser la question comment lui il compte contrecarrer ce meeting-là demain. Voilà, donc, mais on a des problèmes avec la ligne tout à l'heure. Monsieur Sapatunka, restez dans le débat. Nous allons nous battre pour. On a parlé avec Monsieur Traoré il y a 30 ou 40 minutes. Je crois que sa ligne est occupée. Mais on va tout faire pour prendre Monsieur Traoré, même pour 40 minutes. Monsieur Sapatunkara, vraiment, ça sera un plaisir pour nous de vous retenir ce soir. Il faudrait nous donner un temps d'antenne ce soir, puisque ce débat contradictoire, Monsieur Mohamed Traoré viendra dire tout à l'heure, c'est-à-dire ce que lui, il connaît, ce que lui, il compte faire demain par rapport à sa déclaration. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, comme je vous l'ai dit. On va pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé entre lui et le parti. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa déclaration. Là où il a dit qu'il va contrecarrer vraiment ce meeting géant. Et je crois que l'UFDG a le plein droit de faire le meeting partout dans le monde, partout en Guinée, je dis partout dans le monde, partout en Guinée, sur toute l'étendue du territoire, si il a obtenu l'accord du gouvernorat. Surtout à Conakry, il a obtenu l'accord du ministre, du gouverneur Mathieu Mbangua. Alors comment Mohamed Traoré, lui, il compte contrecarrer cela, il va nous dire tout à l'heure. Voilà, donc je vais. Je vais vous dire, Monsieur Bangoura, il serait quand même dommage et regrettable que Monsieur Traoré s'inscrive dans cette logique d'affronter l'UFDG ou une formation politique qui a déjà l'autorisation, comme vous l'avez cité. En s'inscrivant dans cette logique, il s'expose à des poursuites, pas de la part de l'UFDG seulement, à travers les autorités administratives, bien sûr, parce que la loi l'interdit. La loi interdit à tout citoyen de s'opposer à un regroupement qui a été déjà approuvé par l'administration. Donc le code pénal est là et il s'expose à des sanctions. Moi, je ne souhaite pas, personnellement, je le dis moi, parce que ça n'engage pas le parti. Moi, j'aurais souhaité que M. Traoré fasse preuve de retenue pour le moment et qu'il n'agisse pas sous l'émotion et sous la frustration et qu'il commette des choses qu'il pourra plus tard regretter. Voilà. Donc, on va partir du côté de Indiana dire bonsoir à M. Si. M. Si, bonsoir. Vous me recevez maintenant, M. Si? M. Mohamed Si, vous me recevez? Attendez, je vais ouvrir M. Si, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Bangoura. Comment allez-vous, mon frère? Bien, et vous-même? Ouais, ça va, ça va, ça va. Et merci d'être venu dans ce débat. On cherche à joindre notre frère Mohamed B52. Comme vous le savez, il est B52, hein, le B52 américain est très puissant, mais je ne sais pas le B52 de Kaloum, quelle sera la force de ce B52 de Kaloum demain pour contrecarrer un parti qui a déjà l'autorisation, monsieur Si. Est-ce que Mohamed Traoré n'est pas un tout petit peu en dehors des règles du jeu? Encore une fois, bonsoir à vous, Monsieur Bangoura, bonsoir à tous les auditeurs. Bon, ça dépend de ce qu'il appelle empêcher. Parce que empêcher une manifestation ne veut pas forcément dire
aller barrer la route. À ce que je sache, d'ailleurs, ce n'est pas une manifestation. C'est un meeting qui est prévu, à moins que ça ait changé. N'est-ce pas? Ce qui est prévu, c'est un meeting. Mais l'un dans l'autre, que ce soit manifestation ou meeting, j'estime que quand M. Traoré dit qu'il va empêcher, ce n'est pas aller en personne s'arrêter devant les militants ou responsables qui viennent au meeting ou à la marche, mais c'est peut-être marquer, entamer une démarche de démobilisation. C'est ce qu'il peut faire, je me dis. Il n'est pas, je crois qu'il est assez mature pour ne pas aller à l'affront physique, n'est-ce pas? Comme il le dit, et nous sommes convaincus de cela, il a une capacité de mobilisation très forte à Kaloum. Il peut demander aux gens qui l'écoutent de ne pas aller au meeting ou de ne pas aller à la manifestation si ça n'est une. C'est ce qu'il peut faire. Et je me dis que quand ici il se lance dans cette trajectoire, il peut réussir, tenant compte de sa capacité de mobilisation. Ça, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est une réalité. Mais, ce qui est sûr, moi je l'ai dit ailleurs, je le dis aujourd'hui ici aussi, il ne faut pas être surpris de la mobilisation. Il y aura du monde. Il y aura du monde parce qu'on va remplir tous les Mabana de Conakry qui viendront de Doubreka, de Kouaya, de Bambeto, de partout, qui vont débarquer dans Kaloum. Ça, c'est clair. Il ne faut pas penser que c'est les militants de Kaloum qui seront, les citoyens qui résident à Kaloum qui vont venir. Non! Peut-être quelques-uns viendront, mais ceux qui viendront de Kaloum représenteront peut-être 1% de la masse qui sera là. Le reste, ce sera une masse importée, comme ils savent le faire d'ailleurs. Donc, à ce niveau, B52, je crois, il peut rester tranquille. Mais bon, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le crois assez mature pour savoir ce qu'il est en train de faire. Il a dit hier, par exemple, sur une radio, qu'il a reçu l'appel du gouverneur de Conakry. Donc, bon, ceux qui se sont dit, c'est lui qui le sait, quelle a été sa réaction par rapport à l'appel, etc. Bon, je ne sais pas, attendons de voir, mais je ne crois pas qu'il va aller, par exemple, se mettre au pont 8 novembre pour dire que personne ne rentre dans Kaloum, ou aller à la place retenue pour le meeting, c'est-à-dire le boulevard Télé Diallo, pour empêcher une mobilisation ou quoi que ce soit. Non, ce qu'il peut simplement, c'est essayer aussi de faire une campagne de démobilisation. C'est tout. Ah bon, d'accord. En tout cas, c'est cette question-là qu'on allait lui poser. Comment lui compte empêcher un parti politique qui a été autorisé par le gouvernement de manifester ou de tenir son meeting? Monsieur Traoré allait nous dire la magie qu'il allait utiliser demain pour empêcher ce meeting-là. De toute façon, on cherche à nous rentrer en contact avec lui. On a parlé deux ou trois fois. Il devrait venir, il n'y a pas de problème. Les techniciens vont continuer. Il nous a donné 40 minutes, voilà. Mais son téléphone sonne occupé là. Voilà. Donc on va continuer à un numéro qui commence par le 504 là, 504, voilà, 504, je crois que c'est un numéro de New York. On va lui donner la parole. Alors, monsieur, madame, bonsoir à vous, bienvenue dans la radio Basse-Côte International. Comment allez-vous? Bonsoir, mon frère, c'est Konaté. Monsieur Konaté. Ah, monsieur Konaté, comment vas-tu? Dieu merci. bienvenue à la radio Basse-Côte International. Voilà, vous avez quelque chose à ajouter là par rapport à la déclaration de B52, comment il compte empêcher un parti qui est autorisé, qui est libre de manifester sur toutes les parties du territoire, hein, s'il a obtenu un accord du gouvernement? Bon, comme vous le savez, B52 est un jeune, un ami à moi, et on a grandi dans le même quartier. Précisément Sandra Valia, et c'est un partenaire de crime aussi parce que on a fait beaucoup de choses ensemble et on a même partagé le même lit parce que, comme vous le savez, les jeunes de Kaloum, surtout de Conakry 1, il y a une union. Vous êtes criminel? Oui, et nous sommes les, tu sais,
En bon sous on dit ah halma for que fa bufu tamaga au koera. Donc nous sommes comme ça avec halma for que fo muta bufu tamaga au koera. Donc mon frère si bonsoir et bienvenue et je salue tout le monde et tous ceux qui nous écoutent. Je devrais commencer par ça mon frère Léo. Vous savez nous les jeunes du Calum nous sommes unis et notre union est sacrée. On peut avoir des petits problèmes entre nous, mais on a eu cette habitude, parce qu'on a eu ça de nos aînés, quoi. On ne va jamais laisser quelqu'un qui est en dehors du pont 8 novembre de venir à Kaloum, essayer de nous dissuader ou essayer de nous mêler. Vous savez, quand la politique a commencé, B52, ce n'est pas aujourd'hui, il a commencé l'affaire de l'UFDG dans l'ombre. Il ne s'est jamais dit, oh, les amis, c'est comme ça, je le connais plus de 30 ans. Mais quand l'UFDG faisait ses manifestations, B52 s'est mis devant tout le monde. Il a défié beaucoup de personnes. Et il ne faut pas que les gens oublient. B52 est la seule raison aujourd'hui que l'UFDG résiste à Kaloum. On parlait de Pélédjob à Corentin qui a cédé une partie de leur concession pour la construction de la fameuse maison ou siège. Donc, P52 et Pélédjob, ce sont les deux personnes qui encourageaient et qui mobilisaient les militants. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, P52 est en train de constater une frustration. Il se sent trahi. C'est comme bon nombre de partisans de l'UFDG. Parce que quand vous êtes à la tête d'un parti politique et que vous ne connaissez que vous seulement et votre clan, les autres ne peuvent pas bénéficier de ce que vous gagnez. Il y aura la frustration. Donc, si on accuse B52 d'avoir détourné de l'argent, on l'accuse, on le sanctionne. Ce qu'on dit ici, due process en anglais, et qu'il n'a pas comparu devant un comité, donc on imagine, même s'il est coupable, mais il doit s'expliquer. C'est dans l'explication qu'on saura s'il est coupable ou il n'est pas coupable. Et on projette une manifestation dans la bouche même du B52. Boulevard Tile Diallo et 5e avenue, il n'y a pas grand-chose. Donc ça, un micron de la construction du B52. Donc il ne va pas dire aujourd'hui, on sait comment stopper les manifestations qu'on a créées. B52, c'est comment les gens de l'UFDG s'infiltrent à Kaloum. Il connaît, il y a une seule rentrée, c'est le pont 8 novembre, Corniche Sud et Corniche Nord. Donc, si B52 dit qu'il va essayer de stopper la manifestation, c'est une mobilisation. On connaît comment faire les choses. Dans les temps, quand le RPG essayait de s'infiltrer, on commençait où? On commençait dès à partir du Dixine. Dès que la mobilisation est cassée au niveau du Dixine, c'est que Kaloum est sauvé. C'est comme ça que ça se passait. Si les gens là prétendent venir à Kaloum pour essayer de déranger les gens, ils vont trouver des personnes ressources devant eux. Parce que si B52 dit à ses militants et à ses supporters, à ses amis, pour leur dire, écoutez, j'étais dans ce parti, j'aime ce parti, mais ce parti m'a déçu. Vous avez tous appris l'affaire de 5 milliards ou de 500 millions. J'étais là-bas quand on négociait. On n'a jamais bénéficié de quelque chose. Les gens là m'accusent d'avoir détourné 5 millions ou 10 millions. Vraiment, ce n'est pas un parti que j'ai connu dans les temps et celui n'est pas honnête. Celui est ceci, celui est cela. Donc, Kaloum, c'est ici qu'on vit, c'est ici que nos parents vivent, et c'est ici que nous connaissons.
Donc, tu ne préfères pas aller casser à Bambé, tu veux le casser chez nous. Malheureusement, Léo, les gens vont venir. Les gens vont venir et arrêter ce problème de manifestation. Et d'ailleurs, même, on laisse tomber l'affaire de PCKB. Léo, les gens là viennent pour faire meeting. Pour faire quel meeting? Quel meeting? Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'ils veulent passer? Il y a combien de radios en Guinée aujourd'hui? Il y a combien de télé en Guinée? Donc, on ne peut pas faire passer les messages, sauf aller organiser un meeting en plein cœur de la capitale pour faire quoi? Alors que mon frère Mohamed Sy vient de rappeler tout de suite là. Ce n'est pas les gens du Kaloum qui vont sortir, mais les gens qui vont venir, même s'ils viennent pour faire le meeting, au retour, il y aura forcément quelque chose. Soit les jeunes de Tombo vont sortir sans fil, les gens de Corentie vont sortir pour les intercepter, ils viendront sur les motos, beaucoup de personnes vont perdre leurs biens. Et qui sera accusé? Forcément les forces de l'ordre. Donc, qu'on fasse attention, si l'opposition ou celui qui veut faire ce meeting, il est intelligent, il n'a qu'à arrêter. Parce que si tout le monde affûte ses militants pour aller à l'élection aujourd'hui, ces gens-là, ces gens de l'opposition ne parviennent pas à mobiliser et respecter les gens dans leur propre parti. Je pense bien que l'air est un peu grave, mais moi je sais une chose, c'est une manifestation ratée déjà. La manifestation n'aura pas lieu. Et même s'ils persistent là-dessus, ce sera quelque chose d'avorté, parce qu'ils ne vont pas parvenir à leurs idées. Ça, je te le garantis. Et le pouvoir en place n'est pas assis aussi. Il y a des mobilisations un peu partout. Mais ce que nous devrons éviter, c'est la confrontation entre les habitants de Kaloum et ceux qui viendront à Kaloum. Et donc, c'est là où... Pourquoi vous pensez qu'il y aura des confrontations entre qui et qui? Je pense bien que les jeunes de Kaloum, aujourd'hui, il y a beaucoup de frustrés. Même s'ils sont frustrés contre l'État, je pense bien. Mais personne ne va accepter que ces gens-là viennent à Kaloum, parce que c'est là où se trouve le cœur du pouvoir politique. C'est là où se trouve aujourd'hui l'affaire. C'est le CBD, c'est Central Distance Business. Donc, tout se passe à Kaloum. Si vous laissez les gens venir là... Mais s'il y a des problèmes, hein, tout petit, est-ce qu'on ne pourra pas mettre ça sous le compte de Mathurin Bangoura, parce que c'est lui qui a autorisé, c'est Mathurin Bangoura qui a autorisé, sachant que Kaloum est un point stratégique, mais quand même, il a donné son autorisation à l'UFDG de faire son meeting, puisque c'est pas une manifestation, c'est un meeting, je crois que c'est un endroit bien indiqué qui a été assigné à l'UFDG de tenir son meeting. Ok, maintenant, Léo, vous connaissez le boulevard Télé-Diallo. Le boulevard Télé-Diallo commence où et se termine où? C'est là le problème. Mm-hmm. C'est là le problème. Si vous dites que c'est le boulevard Télé-Diallo est compris entre des concessions, entre des maisons. Donc, où exactement le meeting doit avoir lieu? Ah oui, mon frère Konaté, excusez-moi de vous interrompre, c'est une très bonne question, parce que le boulevard Télé Diallo commence au commissariat de la gare routière, au commissariat de la sécurité routière, jusqu'à la corne, chez Lazé. Chez Maman Lazé, donc de Limania, voilà. En descendant jusqu'à, tu passes chez Brikimomo, jusqu'à la corniche. Ok, maintenant, vous voulez me dire que tout le monde va s'arrêter de chez Maman Lazé en remontant jusqu'au niveau de Sogiel et jusqu'à Limania. Donc, celui-là sera où? Où les organisateurs seront où? Parce qu'il y a la Sogiel, il y a la construction de Yango Modia, il y a la justice de première instance qui n'est pas loin de là-bas, et Sonkaya, et puis chez les Sénégalais, Cinéma Vox, en descendant B52, 5e avenue. Donc, ils sont réalistes quand même. Ce n'est pas un lieu. Et s'ils disaient, on va aller au stade de la mission, ça, c'est bien, mon frère. Là, l'espace est là. Mais boulevard Télé Diallo, où ils vont tenir ce meeting-là?
Déjà, il n'y a pas de courant à Conakry. S'ils se mettent à cogner les vitres du PDG là-bas, qui va payer les frais? Et les habitants de ces concessions-là, est-ce qu'ils vont laisser les gens venir ou pénétrer leurs concessions parce qu'il y a un meeting? Bon, mais ça, Patoumkar a dit que ce monsieur a été suspendu pour escroquerie. Hein. Monsieur Traoré a été suspendu pour escroquerie. C'est pas Quelle pour. escroquerie? Même si moi, Léo, même Oui. si B52 a bouffé l'argent ou quoi que ce soit, quelle est l'explication que Safa Tounkara a donnée? Quelle est l'explication? Qu'est-ce qui Non, s'est il était réellement venu passé? donner ses explications-là sur Parce la. qu'il n'y a rien, non, 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 il n'y a rien. Il n'y a rien à expliquer. Et ils accusent B52 de 5 millions. Et c'est lui qui a reçu les 500 millions. Et l'acteur maire qui est suspendu à Mamou, qui a détourné les 250 millions, et celui de Tugui. Mais si on se met à compter, mais on ne va pas en finir, mais il ne faut pas qu'on se foute de B52 à cause de 5 millions. Tu sais que B52 a perdu dans l'affaire de l'UFDG. Est-ce que l'UFDG peut le rembourser? Mais qu'on arrête un peu. C'est la même chose qu'on a dit sur Baoury, que Baoury a reçu 200 000 millions ou 200 000 euros de la main d'Alpha Condé. C'était la même politique pour le mettre dehors. S'il ne veut pas de ce jeune maintenant qui dérange, ou bien qu'il voit maintenant que les jeunes de Kaloum sont toujours sacrés. Il y a la collaboration entre Bayeri Ayrebo ou bien Bobodi et B52 et d'autres personnes. Madame Mahadi, qui a été mon professeur de biologie au collège Château-d'Eau, sont toujours ensemble avec EBAM et B52, mais il y aura toujours des frustrations du côté de l'UFDG. D'accord. Monsieur Konaté, reste dans le débat. On va donner Non, l'opportunité permettez-moi. à cet auditeur-là aussi. Safa Tounkara aura un droit de réponse sur ça tout à l'heure, OK? Voilà, on va donner l'opportunité à tout un chacun. Alors, ce numéro qui termine par le 1728, c'est un numéro de New York. OK. Mon frère, je suis un peu busy là. Je vais revenir encore parce que moi, le débat D'accord. là, c'est intéressant. D'accord. Merci, merci mon frère. Voilà, je vais vous reprendre, OK? Voilà, merci d'être venu. Okay. Voilà. Donc, cet auditeur, il va revenir tout à l'heure. Je vais prendre monsieur qui a levé. Bon, de toute façon, ça va, Tunkara, c'est à vous l'antenne. Attends, je vais demander à Badi Touré de dire un mot avant de donner le droit de réponse à Safa Tounkara. Où se trouve Badi là? Badi est là quelque part. Ok, d'accord. Donc, de toutes les façons, Badi Touré. Voilà. Badi Touré. Alors, Badi Oui, Touré, bonsoir. Bonsoir, ouais, bonsoir. mon frère. Est-ce que vous avez un Ouais. mot à dire par rapport, parce que l'UFDG a le plein droit d'organiser ce meeting, de tenir ce meeting partout il veut, ainsi il est autorisé. Alors, mais vous voyez, bon, Monsieur Traoré a été accusé d'escroquerie, il a détourné de l'argent du parti. Alors, est-ce que vous trouvez normal pour Monsieur Traoré de faire des déclarations, de tenir des déclarations, des propos contre un parti qui a été légalement qui a légalement obtenu l'autorisation d'organiser son meeting. Absolument, absolument, M. Bangoura, et je dis bonsoir à tous les auditeurs. Et M. Bangoura, il faut se dire la vérité. Et ce qui se passe, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à M. Traoré, et ça fait mal, il faut se dire la vérité. Et tout le monde a vu ce jeune homme se battre pour l'UFDG et à Conakry, particulièrement à Kaloum. Et bien voilà, surtout ce problème pour lequel on l'a sanctionné. C'est un problème qui n'a rien à voir avec l'UFDG. C'est un problème personnel. Ce n'est pas l'argent de la commune, il a bouffé, ou bien peut-être s'il a bouffé, hein, parce que là, il ne l'a pas dit. C'est un problème personnel entre lui et quelqu'un d'autre. Alors que hier même, je l'écoutais sur une des radios de la place, lui-même il disait que il y a des gens
qui sont dans le bureau exécutif de l'URTG, qui ont bouffé de l'argent, plus de 40 et quelques millions. Ceux-là ne sont pas sanctionnés, sauf eux. Alors, tu vois sa frustration. D'abord, ce n'est pas l'argent de la commune, et ce n'est pas l'argent de l'UFDG, mais on le sanctionne. Et pourquoi? Sans l'écouter. Sans l'écouter. Quelqu'un va se plaindre à leur niveau, on l'appelle, on l'interpelle, tout de suite, il faut payer l'argent. On le somme de payer de l'argent. On bloque sa voiture. Quelqu'un qui s'est battu pendant 10 ans pour vous. Pendant 10 ans. Mais bon, c'est seulement à l'UFDG que des choses pareilles là se passent. Mais voilà, par rapport à son opposition aussi, par rapport au meeting, quand il a donné des explications là aussi par rapport à ça, il dit qu'il est le secrétaire fédéral de l'UFDG à Kaloum. Donc tout doit passer par lui. S'il doit demander une permission pour organiser un meeting ou une marche à Kaloum, le principe voudrait qu'on passe par lui parce qu'il est le premier responsable de l'UFDG à Kaloum. Je crois que ça, c'est normal. Ah, d'accord. Et je crois que si les gens la respectaient vraiment, je ne sais pas comment il fonctionne là-bas au sein de l'UFDG, mais moi, je pense qu'on devrait passer par lui avant d'organiser quoi que ce soit à Kaloum. Donc, c'est dans ce sens qu'il a dit qu'il va empêcher le meeting. Mais je crois, par rapport à ça aussi, peut-être qu'ils ont trouvé solution. Et comme d'autres le pensent, il ne faudrait pas qu'on pense que B52 va sortir dans la rue pour venir s'arrêter devant les militants et responsables de l'UFDG pour dire que je barre la route, vous ne passez pas par là. Non, il ne faudrait pas que les gens le mettent dans. Non, c'est rabaisser ça. Cette façon de le qualifier là, c'est rabaisser la personne. C'est pour dire qu'ils n'ont pas de considération pour lui. Parce qu'on écoutait un militant, un responsable de l'UFDG qui le traitait comme ça, quoi. Si jamais il s'attardait à s'opposer à cela, donc il aura affaire à la loi. C'est comme si B52 a dit qu'il va sortir dans la rue et s'arrêter devant l'UFDG, barrer tombeau devant l'UFDG. Non! Et ça, c'est de l'animosité. Je crois que le monsieur là est mûr pour ça. Oui. Mais voilà. Donc, ce qui se passe au sein de. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Nous devons soutenir ce jeune parce que nous tous, on l'a vu. Comme M. Konaté le disait tantôt, on n'était pas d'accord avec ces gens-là. Mais, heureusement, parce qu'on les avait dit. Vous allez, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, vous allez le regretter. C'est ce qui commence. Et ils vont tous le regretter parce qu'ils n'ont pas les mêmes combats. C'est ça aussi le problème. Ils n'ont pas le même combat. Ils ne se battent pas pour le peuple. Ils ne se battent pas pour la Guinée. Et ils se battent pour eux-mêmes. Organiser aussi les meetings à Conakry, à Kaloum, l'objectif aussi est connu. Sinon, comme le disait monsieur Konaté tout de suite, tout le monde connaît le boulevard là, Téli Diallo. Mais quel meeting un parti politique peut venir organiser là-bas? Comment il va regrouper les gens? Comment? Où? À quel niveau là-bas? C'est juste une provocation. C'est juste une provocation. Et bien voilà. Sinon, on n'interdit à personne d'organiser. C'est des partis politiques légalement. Personne ne peut interdire à un parti politique d'organiser un meeting ou bien une manifestation en Guinée. Personne. Ou nous voulons la démocratie chez nous ou pas. Mais sinon, mais c'est la manière, il faut se dire la vérité. On connaît ce parti-là, on connaît ses militants, on connaît leur mentalité. Et bien voilà, c'est pas pour organiser, c'est juste aller provoquer les gens. C'est ce qu'il faut dire. Ils ont l'habitude, eux, dans leur culture, meeting, c'est pour aller provoquer les gens. Manifestation, c'est pour aller casser les biens des gens et mettre ça sur le dos de l'État. Mais c'est ce que les gens ont compris. Tout le monde en a marre aujourd'hui. Ce n'est pas ce seul parti-là qui veut le bonheur pour ce pays-là. C'est ce qu'on doit se dire. Est-ce que c'est l'UFDG seulement qui veut le bonheur pour ce pays? Il y a d'autres partis, il y a une multitude aujourd'hui de partis politiques en République de Guinée. Pourquoi les autres ne manifestent pas? Pourquoi? Merci. Et bien voilà, donc nous devons tous, je ne suis pas en train de dire
qu'il faut interdire ce meeting ou bien barrer la route à l'UFDG. Mais nous devons tous nous mobiliser pour dire à ces gens-là, votre façon de faire votre politique ou bien votre manifestation, nous en avons assez, et vraiment changer votre façon de faire. Donc c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Merci, M. Bangoura. Merci à vous, M. Badi Touré. Je vais prendre cet auditeur-là, voilà, qui est revenu du côté de New York. Mon frère, bonsoir à vous et bienvenue à la Radio Basse-Côte Internationale. Vous êtes prêt maintenant? Non, je ne suis pas prêt d'abord. Je suis là. D'accord, faites-moi si. Ok. Voilà, je vais prendre ce numéro 1157. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est Djabi. Oui, ça va. Oui, M. Djabi, bonsoir. Voilà, j'allais bien. Voilà, frère. Je voulais te demander, est-ce que les choses, comment on a B50 à Balofa? Non, mais Moumou Nora, peut-être à occuper, il y en a un groupe préparé fait. Comment il compte empêcher ce meeting-là? Ekolo Agbe Yomaya Nara. Ekolo IFD de l'or clan, mais il y a un clan qui. Il y a un clan qui. Il y a un film. Clan Nara Nara, c'est le Dalin à la Guinée. Anu comment dress? Anu fore usu ne na nga clan na meni. Bene ha bore mu amu parti ha kobri ha dungi. Amu eta ha kobri ha dungi. Amu mu kobri na kam fanso amu sa ha tambe la ile garanti pour dire que alako atato na wolfe communal meni pour dire que gine no ma sende magere ma soto di. Iwa batu. Maintenant etamba Maintenant, les tambours sont ces gens, ils sont en Guinée, maintenant, il faut profiter de la vie, mais il faut que l'on fasse ça fait longtemps. Il n'a fini d'être d'Arena. Parce que l'on fasse ça, il faut que l'on fasse ça. Il n'a fini d'être d'Arena. Maintenant, comment on a payé le job, monte de B50 matière non ma badi qui en a. Ou amato sende comment c'est dans le cobri gonfé. Cobri barfa. Cobri na fa opposition à manifester opposition à bigzé. En fait à c'est le dans le ngbi mais na comprendre c'est dans le ngbi. Na fa que na parti républicain et na manifestation na bafé. Na cobri na tunguma alo papier na gira ba managira et asika communa ou bien et communication avec une bama radio na cobri na fini mira frère. Attendre na cobri tungana sa poste. Attendre na do. Aba fa na bouri be. Maintenant na logo na sa de be 50 na faut de usura birura. Maintenant na cobri fe bula sono. Ina waya na kafla president cobri do igbe na ba. Cobri na fa ya ma ka cobri tangana do igbe na naki. Maintenant be le hanse na be afra wa be 50 be 50 sélectionné. Mais le soldat là, il a avancé beaucoup de l'argent. Donc,
Ouvrir le micro de M. Kondé Lamine aussi. Voilà pour nous
dire, donner son point de vue par rapport à cette situation. Alors, Safa nous a confirmé que B52 n'a pas été destitué du parti. Hein. Il a été sanctionné pour faute lourde, pour escroquerie. Voilà. Donc, il est toujours membre de l'UFDG. OK. Voilà. C'était un éclaircissement. Voilà. Donc, il ne faut pas que les gens... Puisque moi, je pensais que c'était... il était devenu un ancien collaborateur par rapport à ce problème-là. Voilà. Donc, je vous informe que B52 reste toujours membre de l'UFDG. OK. Alors, M. Condé, bonsoir. Oui, M. Bangoura, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous, mon frère? M. Safa est en ligne? Il est là. Bon, il est là. Désolé, j'avais reçu un appel. Je n'ai pas pu intervenir. Donc, si j'ai l'opportunité d'intervenir, je le fais. Hein? Mais voilà. Je crois... Oui. Safa est là. Safa est là, M. Condé. Bon, je pourrais vous intervenir après, M. Condé. Alors, bonsoir, M. Condé. Désolé. Écoutez, si, M. Bangoura, si vous permettez, je voudrais m'adresser à M. Safa. Écoutez, M. Safa, je pense que vous occupez une fonction très honorable, très élevée dans le parti. Si vous devez répondre à quelqu'un dans ce débat, peut-être que c'est à M. Si, à la rigueur, parce que lui au moins, il est responsable d'un parti politique. Mais si vous, en tant que faisant partie de la communication, la plus grande formation politique en Guinée, vous venez répondre à des gens qui ne veulent pas du tout comprendre, des militants, moi je quitte le débat. Je vous prie de respecter la fonction dont vous incarnez, s'il vous plaît. Si vous avez l'obligation de répondre aux questions du modérateur par rapport aux questions techniques liées à l'organisation. Mais s'il faut répondre à la militant, moi je dis que vous, excusez-moi, mais je suis obligé d'aller directement avec vous. Monsieur Si, d'accord. Lui, c'est un responsable d'un parti politique. Alors, si on vous avait invité, et Monsieur Mangoua vous avait invité avec Monsieur Si dans un débat, d'accord, ou quelqu'un d'un autre parti politique de la communication, il n'y a pas de problème. Vous connaissez un peu, vous avez Monsieur en droit, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Il faut en débattre avec un haut cadre de notre parti politique. Mais moi, je suis simple militant, je suis mieux placé pour répondre à des allégations. Mais si vous voulez répondre à tout le monde, il n'y a pas de problème. Non, mais M. Safa n'a pas répondu aux auditeurs. Hein, Non, mais il a dit tout à l'heure que moi qui ai posé des questions à M. Safa Tunkara. Je vous dis encore une fois, c'est mon responsable, si vous permettez, laissez-moi m'adresser à mon responsable, s'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Bangoura. Oui, mais vous êtes en train de... Je répète la même chose. Moi, c'est moi qui ai posé... J'ai dit que si c'est vous... Écoutez, M. Bangoura, j'ai dit si c'est vous, il n'y a pas de problème. J'ai bien mentionné. Vous êtes modérateur. Voilà. Donc, des questions techniques liées au parti, ton point de vue. Si, il n'y a pas de problème. Ouais, mais si je veux venir répondre à tout ce qui a été dit, moi, ouais. Je quitte, je me tais. Et s'il le fait, je vais porter plainte contre lui. Ça, il n'y a même pas de problème. Maintenant, je continue, si vous permettez. Oui, mais c'est vrai. Si il revient répondre aux militants, ouais. je vais porter plainte au niveau du bureau politique. Il n'y a même pas de problème là-dessus. D'accord. C'est voilà. Votre droit. Il n'y a pas de problème. Et donc, par rapport au sujet, merci beaucoup. Par rapport au sujet, je vais d'abord répondre en soussou à quelqu'un qui s'est exprimé en soussou. Je ne savais pas que Mouna Akolo, à Kaloum, groupe Mirang Bar la Guinée. Il a tout mais bon tout rafé différent moral nara. Mota mort calumné. Mou mon permis ma. Elle a plus est pas ouvert ouvra est pas fin de ma calum. Dambe et falamane. Nous voilà le calum. Nous voilà calum qui nous voilà calum développé. Mouti amigo ta fa ana kan. Mais mouti ma bête à dangi parce que mouti ambari calumné. Mou calumné. Mou dire nous rima bangé terrain qui iki. Un deuxièmement. Et moi, je suis allé à l'Ossa Jiramé. Je suis allé à l'Ossa Jiramé. Donc, je suis allé à l'Ossa Jiramé. Je suis allé à l'Ossa. Vous savez, maintenant, je continue. Vous savez, M. Bangoura, moi j'ai une méthode.
sur les radios. Quand le débat, j'écoute un débat par rapport à chose, à un sujet ou à une accusation ou à un élément, si beaucoup de les intervenants mettent au conditionnel, j'interviens sur la base du conditionnel. Mais quand on dit en tant que militant, si vous voulez accuser l'UFDG, mais je me comporte comme si vous voulez, comme je ne veux pas simplement, je ne voudrais pas aller sur le terrain, mais je me mets dans la peau des gens qui interviennent. Donc, dans ce débat, je vais me mettre dans leur peau. Ils disent que l'UFDG, oui, c'est la méthode, c'est le statu quo. Je me mets à l'avant-hier. Vous savez, M. Bangor, vous me connaissez, moi je suis contre l'exclusion. Je me bats pour que les gens viennent dans mon parti. Mais M. Safa l'a rappelé, qu'on soit dans un parti politique, qu'on soit dans une association simple, dans une ONG, qu'on soit dans la République, lorsque des humains se sont réunis pour codifier le chemin à suivre des peuples ou des citoyens, qu'on va appeler la loi, on est obligé de respecter la loi. Au niveau d'un parti politique, c'est le règlement intérieur, il faut respecter le règlement intérieur. Alors, et moi je ne sais pas ce qui s'est passé, M. Bangoura. Donc, je ne veux pas dire l'autre a raison. Non, M. l'autre a tort. Même aujourd'hui, j'étais intervenu sur, si vous voulez, à Nostalgie. J'ai dit que non. J'ai répondu à notre responsable, à un de nos responsables, excusez-moi. Et bon, c'était un autre sujet. Mais de toute façon, j'ai dit que M. Traoré soit intellectuel ou pas, il a passé 10 ans comme fédéral de Kaloum. Je pense qu'il faut le respecter. Et peut-être qu'il est sur ses nerfs. Laissez-le. Il ne comprend même pas c'est quoi la suspension. Vous-même, vous parlez de sanctions. Quand vous êtes suspendu, ce n'est pas une sanction. Légalement, la sanction ne veut pas dire. Et la suspension ne veut pas dire que vous êtes sanctionné. Ça veut dire que votre fonction est en baisse en attendant de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, si avec des enquêtes et le résultat tombe sur votre exclusion, on parle de sanction. Ou bien on vous destitue de votre fonction, maintenant on parle là de sanction. Pour le moment, M. Traoré n'est pas sanctionné. Et même quand il a été invité avant-hier à Nostalgie, dans la langue nationale, les mêmes journalistes lui ont dit non, il n'a pas de côté, ethnie. Ah, en bas, il est sur ce tour-là. C'est comme ça, il embobine les gens. Sur ce tour-là, mais écoutez, M. Bangoura, 10 ans, il est fédéral. Est-ce qu'on peut me dire que parce qu'il est sous-sous? 10 ans, vous êtes fédéral. Les gens ne cherchent même pas à savoir ce qui s'est passé entre lui et la pauvre dame. Tout à fait. Ils ne sont même pas soucieux de peut-être entre parenthèses, entre guillemets, la douleur encourue par cette dame. Et quelqu'un a dit tout à l'heure que non, c'est B52 qui est allé voir l'UFDG. Je vous rappelle que la nouvelle que j'aurais prise, il était même en prison. C'est là où les responsables de l'UFDG sont allés le sortir et puis ils lui ont dit non, ce que tu fais, c'est pas bon. Tu représentes le parti, tout le parti à Kaloum. Alors tu ne peux pas être associé à une telle situation. Monsieur Bangoura, même quand vous êtes responsable, le fait que vous soyez cité dans une affaire malheureuse, cité seulement, c'est pas bon pour votre image. C'est pas bon pour l'image de votre famille. Et quand on a parlé de celui qui a été mêlé à cette affaire de sextape dans le RPG, rappelez-moi son nom, je crois que c'est Mbali Sangaré. Ça sent l'image du RPG. Mais qu'est-ce que Alpha Condé a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il me l'a dit en Palamago, alors qu'il a été vu dans la vidéo. Alpha Condé, en tant que premier responsable du pays, nous va même si nous avons mis en nemo. Et puis il a donné une 4x4 sortie d'usine. Comment faire compenser? Ah, M. Bangoura. Mais il faut nous voir, une partie critiquée. Il faut se muer. Ou bien,
tu prends des éléments comparatifs ou de comparaison. Maintenant, ah, UFDG au moins est en mesure de sanctionner. Quelle que soit la nature, ils mettent cela au compte de l'ethnie. Monsieur Bangoura, Mamadou Barry a été sanctionné, a été exclu du parti. Il est peul, il n'est pas malinqué, il n'est pas soussou. Hein. Monsieur Bangouri n'est pas malinqué, il n'est pas soussou, il n'est pas forestier. Celui qui a été, un de responsables a été sanctionné à Mamou pour détournement. Ouais. Il est peul. Il faut quand même, M. Bangoura, quand même, un peu de réflexion, ou un peu de dose de réflexion, au moins. Si vous n'avez pas l'UFDG, il n'y a pas de problème. Mais l'acte que l'UFDG pose en sanctionnant ses responsables. Et M. Bomé Traoré a été cité dans une affaire de choses et d'escroquerie. On a un problème de français. On a dit la lettre de suspension suspendue pour escroquerie. Ce n'est pas dit qu'il est escroc. Ce n'est pas l'idée qu'il est escroc. En attendant le résultat des enquêtes, il est suspendu pour escroquerie. Quand en droit, quand vous êtes suspendu ou bien accusé pour crime ou délit, ça veut dire que vous êtes criminel ou que vous aurez commis un délit ou une infraction. Ça veut dire que votre nom a été cité dans une affaire de crime, de délit ou d'infraction. En attendant, par application à l'article 107 de la Constitution, que le juge se prononce sur l'infraction. Encore une fois, moi je dis que je demande aux uns aux autres, ils sont libres dans leur allégation. Monsieur Condé, pourquoi maintenant Monsieur Traoré s'enflamme? Comment même pour vous, comment il compte empêcher ce meeting demain, puisque c'est ça sa déclaration maintenant? D'abord, je réponds à votre première question. Pourquoi il s'enflamme? Je ne sais pas pourquoi il s'enflamme. Sinon, le règlement intérieur de notre parti est très clair. Et lui, il est fédéral. Moi, je viens de s'appeler militant, mais je maîtrise mon règlement intérieur. Il devrait... C'est à lui de m'expliquer le règlement intérieur. Dès que vous êtes suspendu dans l'UFDG, quand vous êtes exclu, le premier élément de la procédure, vous attaquez la décision du bureau politique. Dès que vous attaquez, la charge est suspendue. Alors, dès que M. Traoré, s'il avait attaqué la décision de suspension, c'était nul. Maintenant, le bureau allait être remis pour mener des enquêtes, et puis voilà, il dit le droit. C'est tellement simple à l'UFDG. Deuxièmement, vous dites comment il va empêcher. Moi, je ne sais pas. Néanmoins, il a quoi? Il a grandi à Kaloum, il est né à Kaloum, donc il a tout Kaloum. Mais il est libre. Parce que sociétaire. Bon, c'est une bassesse, M. Bangoura, excusez-moi. C'est une bassesse. C'est vraiment une bassesse. Je le rappelle tout à l'heure. Mamadou Barry, c'est simple, c'est un malinqué, c'est un chouchou. Non, je sais quand même, c'est pas pour prendre la part de l'UFDG, mais je sais quand même qu'il y a eu beaucoup de sanctions. Beaucoup de sanctions ont été prises au sein de l'UFDG pendant les 6 dernières années. Que ça soit avec Baouri, Maintenant, dites-moi, M. Bangoura, dites-moi, tout ce qui a été sanctionné, M. Bangoura, tout cela qui a été sanctionné, c'est le peu? Non, c'est pas. Non. Bon, vous voyez? Là, il faut se dire la vérité. Vraiment, on ne peut pas accuser l'UFDG dans ça. Si vous êtes fautif et que ton supérieur arrive à prendre des sanctions contre toi, si nous voulons que ce pays-là avance, il faudrait accepter. Il faudrait Bangoura, Bani Sangaré, il a été vu dans une cassette de sexe. J'ai la cassette ici. Ah, mais vous savez, on n'a pas le droit à l'antenne. Hein? Responsable.
Monsieur Bangoura, pas pour nous interrompre, mais moi j'ai des invités qui m'attendent, donc il va falloir que je réagisse rapidement avant que je n'arrive à la place. Voilà, donc Monsieur Saba Toungara, c'est à vous l'antenne, hein. Monsieur Kondé, on va, Monsieur Saba Toungara, c'est votre responsable, il a des invités. On voulait maintenir Safa pour donner, nous aider avec ce B52 là par rapport à des éclaircissements. Oui, allez-y, je vous en prie. Monsieur Saba Toungara, vas-y, comme vous avez des obligations là. Voilà, merci bien. Écoutez, j'ai tout à fait compris la demande à M. Lamine Kondé et je respecte sa demande. Je pense que le débat, c'est pas entre ma personne et un individu. J'ai été contacté par M. Bangoura et je me suis soumis à cette question. Maintenant, je vais en profiter pour réagir un peu par rapport à certains commentaires que j'ai entendus. Je pense qu'il va falloir qu'on remette les choses dans leur contexte. J'ai entendu beaucoup de termes et beaucoup d'expressions en langue nationale soussou, mais je vais rappeler à tout le monde « Oumbirmo konakrine »« Doibibinabi konakrikane rame maflama » Ce n'est pas parce que il y a un calum. Où va la UFDG tourner avec Begbira? Où va la FNR Falabé UFDG à Fera? Nous sommes en détail ici. Mais où va la UFDG à Fera? Nakimara. UFDG mou fonctionne mal à Nakine. C'est-à-dire, prenons le temps et écoutons-nous. Et j'ai entendu des termes dire les gens là. Kimiri. Maintenant, on dit que Konakrika, Kalumka. Moi, j'ai fait 5 ans à Kaloum. J'ai fait 3 ans à Taouya. Et j'habitais au pont Kakimbo, tout près du pont Kakimbo. Je connais un peu comment la mentalité de Konakrika s'est développée. Mais dire Kaloum Moutanangbe, Kaloum Moutanang Morbe, Moutanang Barebe, Moutanang Falama Naran Soma Be, Meeting Nanabama Be, faut on amène la couine. Parce que ouam en a un rôle la Guinée Gay, Biringa, Kalou, Irekirin, ou Biringa, ou Inkirin Fara, ou Biringano, Loure, ou Mugere, ou Moussongo. Mais il n'a fallu pas dire un fantan roi be, Namasema Bentanangbe, Bera, ou Gere n'a pas fait. Amoumi, on a fama. Il est dit en Umbiri Nangbe. Donc, Kaloum Kaba, Taouya Kaba, Umbiri Konakri Kana, on a Umbiri Lagine Kana, on a un nom, on a Birina a liberté, on a droit, on a un Afa Biting Raba Yirikirin. Provocation est Oumara. C'est pas parce que Moufa fait un Mouama griffé Kaloum Kaima. Non. Moufa a un Kaloum Kaima, message n'a Moubem Mouama n'a Dangifi. Mouama n'a Wodoro, Moura Fende Faloube, Naram Moulan Fela, Dile de Kudilari. C'est comme Womunaran Colon, moi Manana Falafoube. Wotana Obida Colon, Konakrika, Untorori. Ouais, non, Dinanak, Obin Torori. Mais est-ce que Bre Colon, Nasema Untorori? Moi Mana Detain a sauvé Ouira. Hamrin de Kelit, il regrette un affa dans Kaloumana, Kaloumé, même Rafa Lebe, Naran, on a un problème là. Ah, écoutez. Faut être normal, la sagesse s'apprend à travers le coup. C'est-à-dire, il faut écouter d'abord. Il faut écouter les gens pour savoir. Il ne faut pas assumer que tu connais tout. Il ne faut pas assumer que tu connais déjà ce qu'il va te dire. Tu écoutes d'abord. Donc, Guérefe Mara, UFDG, Foule Kéréa Meira, Tam Foule Mouna. Nkona Krikolo Nabibé, Nkona Krikolo Foutabé, Ntam Mou Nkona Kriné, Nkele Nkona Kriné Nagabé Fabi. Donc, il n'a fallu mbé à. Kaloum ta moutanangbe, inusobe kui, wotam re, wotam UFDG. D'abord, il faut qu'on arrête ça. Wotam. Non, on bire n'kering. On va falloir dire citoyen.
au moins entre nous les citoyens qu'on se respecte, un minimum de respect. Un minimum de respect. Mais quand vous dites les gens là, et si quelqu'un d'autre vous qualifie les gens là quand vous allez dans un territoire là où vous n'êtes pas, vous n'avez pas grandi, vous n'êtes pas né. Donc vous pensez que Kaloum seulement c'est le territoire là où vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez plus citoyen que quand vous allez à Dixine ou à quelque part d'autre, je ne sais pas. Non. Il faut qu'on sorte de ce contexte. La deuxième des choses, quand on dit que M. Traoré a été suspendu et qu'il affirme que on doit passer par lui pour organiser une manifestation, à partir du moment qu'il est suspendu, on ne doit plus passer par lui comme responsable. Ça va de soi. Ça va de soi. À partir du moment que tu es suspendu de ses fonctions, on ne va plus, on va pas te faire appel pour l'organisation d'un meeting. Ça va de soi. Maintenant, ceux qui sont curieux de savoir meeting Rabat Madenre, on a Kolo Matuna. On a Kolo meeting Rabat fait Kaloumne. On a Kolo fait exactement meeting Rabat Madenre. Tina, on a Touma. Mais on a Kolo Mabinde à Salon à Kumura meeting Rabat. Meeting Nakimara. Mounoufa, on a Kolo déjà, on a Kolo Denre. On a Mamene, on a message Radak. Et monsieur Traoré, Moutana m'a accusé. Ce n'est pas l'UFDG qui a accusé monsieur Traoré. La plainte est partie d'une personne, d'une citoyenne, d'un individu. C'est parti jusqu'à la gendarmerie et à la police. Nous, on n'a pas porté plainte contre, Traoré, on ne l'a pas accusé. On a dit qu'il a été suspendu pour escroquerie. Ce qui est différent d'une accusation. Attention. Maintenant, il ne faut pas aussi qu'on confonde et dire que M. Traoré va dire parti, mais Moula Mairanabara. Hey, l'engagement ne te met pas à l'abri des sanctions en cas de forfaiture. Ce n'est pas parce que tu avais 30 ans dans un parti politique, tu as tout sacrifié, que tu vas te permettre un certain comportement et on ne va pas te sanctionner. Ce n'est pas ce qu'on veut. Dans ce cas, quiconque fait 30 ans dans une organisation humaine, il faut lui dire qu'il est à l'abri, qu'il est au-dessus de la loi, si c'est comme ça. C'est le Dal a fait 40 ans de la politique, donc ça veut dire tout ce qu'il va commettre comme délit politique, il ne faut pas le sanctionner. Monsieur Safa Tunkara, mon frère, je m'excuse, je serai obligé de vous interrompre. Je suis en direct avec notre invité, Monsieur Mohamed Traoré depuis Conakry. On va, on va lui permettre de répondre aux les questions des auditeurs, ok? Voilà. Absolument. Restez en ligne, M. Savatunga. Donc, chers auditeurs, comme promis, notre invité aujourd'hui, c'est M. Mohamed Traoré, qui est le fédéral de l'UFDG dans le Kaloum, ok? Ceux qui aimeront poser les questions à Sikou, il n'y a pas de problème. Okay. Ou en français, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais poser mes questions à M. Mohamed Traoré en sous-sous. Okay. Vous êtes à la radio Basse-Côte internationale depuis Washington. C'est la radio de la diaspora guinéenne, la radio de la contradiction, la Guinée numéro 1. M. Traoré Imam. M. Mohamed Traoré Imam. Itanu ira parti tagi ilerima ira na nyoron sauce yaba mube parce que tina je crois que ira parti wola maura meeting raba meeting la maraba kalum qui boulevard telima mais munta mer qui anere a le secrétaire fédéral de itana era fama meeting en PCD anu wona kolon ou malouana, enfin le parti politique Nera, et par autorisation de ce gouvernement, est en réforme dans un meeting en PCD. Moi, je vais expliquer, est-ce que est en réforme dans un meeting en PCD, dit Kering,
et puis nous avons source un grand sourire où nous avons parti 5 millions ou 10 millions à faire. Il va falloir expliquer Amérique Niamabe, Amérique la Guinée, Birinane ou la Méfiki, Amérique belle vraiment. Monsieur Bangoura, il ne faut pas nous aller. Naransoro imunu ipati mire itagi. Asoro imunu ngine na itagi. Na gine itagi, nan se dangere. Chemin de fer naran nana, oma chemin de fer sori. Munu na we, tende boutique fene, tu deget man naba, ena abiri nga kella. Na sou le long de rail, ena rafala abiri nga kella. Na gine nere tarimati mana. Enge, nere ibadi chemin de fer kourkui. Réunion habitérana à Irana Fendi marchera. Marché Mol Mundung, marché Nigerba, à nous marché Tende Nyengema, et Famani Bidon Ronso de Mène parce que, et na baye fait, et Rabbi Nati la fini marché moderne. Donc de ce fait, n'a dégâtissement n'a raba, à Bidin Naranyon. Nanyon Rambi, boutique Ndi, Nirindi na, à Tanyengema, chemin de fer qui est et la boutique est nana, et la boutique est nana. Donc, par rapport à ça, le dégâtissement de l'argent, nous avons une boutique qui est folle. La boutique est folle, dit qu'il y a une femme forte, en Gamali, boutique est rafira. En Gamali, boutique est rafira, il m'a mis pour le moment, dit boutique est rafé, à mon guerre, la 500 décennies, parce que nous avons un recensement de Nyangema, comme dit Marché Nyangema, à la commune de Kaloum Nanga Kontuma. Donc, Moutouba Gé, gouverneur Nara Fala, a mouta membre de conseil communal, a ha la tin, a fa ma boutique pour soudé Moubidinira. La boutique pour soudé Mouida, a moura matou moufan nasouma moura famille la canere. Mais il y en a grina gé, c'est gâte, n'en glima, n'en mara, n'en glima. Donc, n'a d'or, n'a affirmatou, mais avant la grine glifira quoi, n'a wa, n'a yon n'a bama. Par commune, bureau rabi, on a mato na kamakana. C'est dans ce moment, on a fait cobre, on a cobre inversé. À ce cobre inversé, après, boutique est une à follow. Boutique est une à follow. À combien il est reversé? 26 millions. 26 millions. Oui. Donc, on a 26 millions de possédés. Après, boutique est une à follow. Boutique est une à follow. On a arrêté à Tongo. On a arrêté à Tongo. Après, anaga rafkobun magorin kolo na inagan na bama ma meti manet sinde a boutique ki ibara nyon ibara so mire yida im boutique ki soto na ta ino mama tu di sono ino mana gan na badi me gileri boutique ibara ti kolo me fe inagan na na im ma meti manet sinde ha wonga ge boutique mo wa ge boutique rafia nindi en gelo na ga ti di mire na so akuyi imu no place soto di ino me akobun magorin da na ga no a biatifé, a fait à Kobri Rassoyra. Nara, il est pour le moment, Kobri Bara Rasso, dans des boutiques qui fait qui même. Parce que, commune, Kobri Mounana, n'a rien Kobri Fifini, n'a rien Kobri Tongo. Nara, donc, il est boutique, il fait ma mère, si il y a une boutique sur Mireira. Nara, non, attends, ça veut faire ça, a fait Kobri Rassoyra. Moulou n'a fait un gambra, après, on a engagé gendarmerie. La gendarmerie, c'est bien. Après, Mounasa engagement, tout le monde. On a encore pris Fifoloma. On a encore pris Fifoloma, on a 2 millions de filles. 2 millions de filles, après, on a bloqué. Nous, quand j'ai fait Yamouni, ils sont en train de se faire un boum. Après, on a abattu Tantongo, on a cobri Soaïda, après, on a sa plainte retirée. Escadron numéro 1, à. On a sa recommandement. Après, on a sa recommandement. Recommandement, il y a guidé, on a sa gendarmerie, marché Niger. Après, il y a un interpellé. Tout interpellé, lundi, on a fait un femme. Entre temps, le secrétaire général de la jeunesse de l'IFDG, Mohamed Bakary Keïta, on a un rélu. À ton rélu, on a dit, est-ce que vous avez un nom de Marino? Gileri muno marino tuni de parce que boy manya kundi na ma na boy manya wofini na sam na ga feso munin ngina ntaki mais abara fon kole to yusko mu afinga akobri shaira ah bon tara na ga yu ala wa ko ina na ba ma fa emisikle ko de wusu wa bilora wonga na ala wonga matu na fi sa makana ga na fi sa de ona fa mona ga fi falafolo ona fi falafolo mais
na kulu e wa ma ngri d'utiliser fini quoi na na muno ma landi est ce que comprendre na parce que voilà on est parti de 10 ans le retiring au moins ça réfi le retiring au moins c'est la bambe na mais na mon chez nyanna na ma nya ngam barki masara ngile ngi ma mi gina fora mbira wo fora anu fa vie o a biru ra so filer na re e ya bije federation do filer na re mire munu su sa wa wonta so munu na dug khri munu na na kan no ma ya bije fi faladi zende kalum ku ina mo mambu ma me ta na ma vi na sacrifier di le wa rasuli na ka gina kombi e soto e ma mire ra soto ma inga ra soto ma imba ra soto ma na na bi din luna na ka yibiru ensali na o fa falatu o ka 26 million fin tambe o man ngan tam ma woto su na na mu no malandi alo afi ngam ma woto do garantie la a ngelo ya ko buri rembourser na wa na na bali ayo mu na la ku après na teme de rili teme de na na après 5 millions sur ma teme de yuba na ga fala awa et ta fala ko buri sur ma teme de yira ina ga fala nga ke di signer nga ke di signer di na ah donc on charifi mo ina nan tanga ke di signer on ta Traoré même dit UFDG te redira bureau la faute de où sera bureau là je falane et malima et rana 26 millions c'est à Kaima mais après nga ke di signer condition nana na rira auto de garantie nga ma auto de garantie là après ma auto 26 millions rembourser là ben 26 millions à singe 5 millions nan fi na 5 millions et ton fi et na rafala en a qu'à dissigner na nan si en a qu'à dissigner na nan si ma ano a kobo di a rembourser mané na rawa na rafa tu fe yo munana mba na qu'à dissigner et na rafi ma donc comme je mba na rafi ben 3 mois encore en qu'à dissigner mais na biri ndambe et na biri fi na na ma tofi na quoi après na ma di man na rafa et na nan kobi e ba ta kobo di e ba ginadi ba rafa et voilà 5 millions sur Guinée là mais et monoma 5 millions sur Guinée à fin enfin on tente pas après et là on m'a tout ça vu moi non non c'est moi on m'a tout ça vu sur là sinon et quoi bon sur Guinée et mangare tu na bon elle na wa na tout ça vu sur là tout ça vu sur là tout gagne et tout gagne après gendarme tire na makulu ala dende rakuna là c'est naraba te me di naraba ala nanti na finya na feki ya kulu na me gendarme tu va diamanda dare na ma donc anga ti gendarme di na onora bo na fi ma tu ma na kano anga ba e fo ora anga sika na wa na ba gendarme fo na sika apo mo na sika na ga we ko mi fo o to we e na fa la donc a fi te me di akobo ya rambute ma di e me credi ma ona kale mo du na fa avec 10 millions a 10 millions et ton fi ala lu 9 millions. Les 9 millions, moi, je suis allé à l'île, je suis allé à l'île, je suis allé à l'île. 5 jours après, je suis allé à l'île. Je suis allé à l'île. Je suis allé à l'île. Merci vraiment. Je suis allé à l'île. Je suis allé donc, je suis allé à l'île. 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 Je pourquoi a finga parti a ko bi rembourser et na parti siège ya lancé parti a siège ya lancé donc na ko bu tungu na kes ne na bon ayo après bo ri na fa na futa man na hawa mais ma wotu e ma gari ga pa kar ke tan ti ma wotu ka buru ma kui me no ngili ndan na fa mi rebe na no ma wotu mu fangi après ma wotu mu fangi mais me le ma wotu to circulation kui ma wotu to circulation kui la famille ben non mo wutu ma dina di don si te un problème fa la mouve kalum jeunesse nan ma wor ma la ki nan no problème yo mu nan ma non mo wutu amu fang e na no mo ta ni wutu kulu mo bori nan nera mo ni la ni wutu plaque numéro kulu quoi e na na fa la mbe na hawa me ngeli nke ta gli na fa ke ta mo wutu gari ba wutu la ji fe fin dina pa wutu soto parce que ni wutu ni wutu sala mbe a sala na afi ma dile wor suli Antoine nous soirée nana woto sarambe mais depuis nana woto soto j'ai eu mille un problème dans cette affaire là pour l'affaire de pour ces gens là quoi il y a pas ceux qui n'ont pas dit ils disaient tout sur moi non que tant mon pana yef déjà wali ran na bas fi na pigi na nga wala bas fi na appelé ben na antunu à politique ay tongo on est assigné là pour le problème de Fegi Foot la Fegi Foot tu paiement donc
on a fait ranima do inanna nda na ma fi ma politique fi la a fi ma politique nanna mo na fi pa fa la manana ma ana ka a mo yo to fi ma politique fi la a fi ne ma parce que nta de fi da le radio donc a wo to fi ma nanna ma na na fa la sende be o ni be e la no nta na ye fi ji na ngawo la ba fi na nta mo ye fi ja wo la ba fi nga ba depuis que moi je suis resté dans ce parti là j'ai toujours été serein dans ce parti là sinon proposition dunia nanna bambe proposition dunia emmanuel dossier ani dendara ina ka no fait que l'IFDG et fa mo wa parti mo fa no mali de wal de fira ntamba na sacrifice bi dinna ba yebe donc on n'a pas ngiete kama ngiete kama nfe bi din luna na ma venir luna na ka no pays parti c'est quand c'est lui il est mon imaginaire mo wa dossier sur mo ira mona amu mali walde fira mona siga ana amu ga mameti mona siga ana mameti plus de 3 fois siga maire après on auto singe na ranso to mari sans compte à convoquer tribunal de dixin ma auto charisma green en nara mon quel tribunal mon quel amati de tribunal mon fati a koni dera mon va so cour kui entre temps dubare na safa ina bombo geme ma wulda da men e geme ma wulna ma auto vitre brin na rabo deux semaines après na siga na président andora kaj bu monalo na ngwa monere mali ngwa mawoto repare na parce que mawoto bilim barakana na lubari ne pa na lo pa na mo e woto woto vitre bilim kana e woto makana na mali ngwa no ko bu ndo sori ngwa woto yala ala na memen su lo ku akobi di majira na après na kila na siga mana woto na la kidan na ba ku nta kidan na ba mais Dieu seul m'a sauvé ces jours-là. Ou l'ina a minu n'yue, n'a rien eu au toto, n'a rien eu au toto, et n'a rien eu à la fara. Mais Allah n'a tout sauvé n'a au toto. Après, mou y'a des amis au toto, n'a rien pas qu'à boudé, n'a fait ma. Moi, au toto, prie en défense, m'a n'a charisme noir, n'a n'a pas soto, n'a pas moteur n'a cana, n'a pas arrivé, n'a, ah, c'était un vendredi, n'a présent, m'a arrivé n'a qui, et n'a mali, m'a aussi moteur m'a fangé. Na parce que barakana na me mpartira woli biri na ba mali woto na nku na wa ma era mali ngano woto mota ko ma fal dira ko bur fuma me era no moteur ya moto moteur fer ici ma ala ah woto moteur combien ara 6 millions atana ngundi na fala 6 millions na ah na ma kulu na nta muwa ma ko buri roma na me mali ngano woto moto ko na ambe dako ana wa fal lundi ma na fal lundi ma na so awon na 20h30 ma na ama wana a prison barafa ana a ibarafa ritar ibara dintala li te dogo bi anun tan de person ena ga en voyage ti ena ki donc on la nga ko bru sone yida na am belega na a na prison je suis le premier responsable de Kaloum parti sinu tan kirim mala ntan nyama na nkili mema e man na ko ni biro en salikana ha Kaloum na ga ntan muna be ko bru firama na ibara promi la promesse n'a n'a qui est de manière à réaliser. Alors, on a pas pour moi, il a de venir le jeudi. Non, pas jeudi, ma. Non, pas jeudi, ma. Est-ce qu'il se passe? Alors, maintenant, à quoi vient mon bail de Nanoré? Ah, ah! Alors, viens le samedi. Je suis venu encore le samedi matin, dans l'assemblée. Là, après, j'en bats la fin. Alors, ben, carrément, à quoi vient matin, il a, en un moment, qui a une nouvelle année. Là, ouais. Et peut-être, on va y avoir une fois pour le faire, le faire, maintenant, dans ma bine, là, on t'a mouillé, ma roi, le même solo. Nanambu, un mois, en tout nos soirées, na auto 4x4 salambe, en arafouma. Na depuis na auto 4x4 salambe, en arafouma, j'ai eu mille et un problème dans cette affaire-là pour me dire non, c'est moi, je fais l'escroquerie pour le parti. Ah ouais, donc, si, en tout nos auto salambe, que je fais le jeu, je fais l'affaire de RPG, tout. J'ai dit non, moi, je reste serein. Moi, je suis fidèle. Maintenant, donc, Traoré, je n'ai jamais trahi ce parti. Monsieur Traoré, ma question bébé Tongo, Monsieur Traoré Bagou, une question finie ça va dans Tongo, Monsieur Traoré Bagou. D'abord, il n'arrête que tu es serein. Mais moi, j'ai reçu qu'à son bien fidèle. Après, il n'a pas passé dans les zones de maintenant pour me dire non, et là, bon, moi, fille, il fallait d'arriver à la radio, Buntuni. Après, Buntu n'y m'a pas encore. Et là, à Minin de Nanfarbi, et pas ou en dira, est-ce que tu y en a un débat, est-ce que tu y en a un débat? Non, mais il y a un débat. Ah non, il y a un débat. Non, bon, il y a un débat.
Sena ga eske no ma wende radio na no mu e maradu nta mu radio bin rupondi ma. Da ga sega ga sega ye tena ma. Da ga tena ngai rafale wala am pa fi rafala. Nena wen ga frina anga wena no mu e ma. Apra nta tanda ga fale bena ga wena ma. Al ko tunya nga telefone bantula na solo. Neto emission polo era apra nga tulite emission na emission bal polo. Na tulite emission na nta fi fi kana ga. Na hawa. Ne? Na journaliste na bon bon ko li da vera. Mu ti wen yo fala di. Nyam telefone na ya te décroché na do na lo roi mo si fi bete fala e na esko ke li te fala mbe na febi ni tangumma na na bara e man na fala mbe ami beti man na radio temedi na kali mo du khili ana a intara o muno mo lan di fi gumma ana kulunu e sa re di di contre itine o en fi na ti nyala nyal na bi ana kulunu sa re di di contre itine mi vraiment Intang mui mola bama na fasu maka metanina nana mua merah karier brise. Intang muna kolong hidora de kine dalu papi. Ana sino, intang na FPG ne. Nga ma fadi FPG responsable de nu. FPG ne hinde bara mwako budu. Ana kame, ina to muna raba. Obara ngili. Obara engagement de tungo. Sena kan dangi won tanto rotagi. Otamba sana fifa la radio. Ana vraiment mungele ringwe na fira. Seme di na ankle, ana na falambe. Na, effectivement, na sa tu as raison. Non, 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 et puis encore, non, 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 a muy fimo la bamanu ina na bar ne kini kemedi na ga na ga bar melumana ana ga ne bidinga lima na justice parce que nta mon sou sama ya e ga non gili fala radio yiti yo après en tout temps bori fa na fa radio ana mo e man na bon bona fal dara quoi qu'est-ce qui se passe le soir encore ya na c'est tout oui ah non ah que moi je suis suspendu dans le parti pour l'escroquerie. J'ai dit, ah bon, non, mon fan, on m'a loué son nom. Ce qui s'est passé, moi aussi, je vais partir dans les zones pour dire tout. Est-ce que tu comprends? Mais, bien avant ça, à un moment, mon nom n'est pas dit tout, oui. Mon nom n'est pas dit tout. J'ai dit, Bobo, il est fils de Kaloum. Bobo, il est fils de Kaloum. Et mon nom est-il, mon nom, ouais. Puis j'ai mon dirigeant Kaloum. Après, la politique, ce n'est pas la guerre, ni la haine. Moi, j'ai été responsable de tout, tu me vois, moi. Et j'ai dit, Nabama. Et quand on a un barbeau, il est guéri, en toi, mais guéri, c'est. Naka mouira bama, mounatan na bama miyora fira, nga mami regiri, nga mbaribu regiri, apalati afindi ndina ala. Nga na falile. Nga mounatan na bama miyora fira. Miche Traoré. Afe dangiri na kine. D'accord. E naka afingi la kwa buripi. Mba naka sa mati rem mati. Nga mati rem mati, naka ekhili, naka erafa. Naka ekhili, naka erafa. Naka erafa ya fia kwa buri tongo. Naka kwa buri depo, jandarmeri. Naka wa falile. Se naka mma wototo di. Ase mma wototo, vraiment, anyari dangi mane muti donc ira aboru ina mati ina UFDG ira kobira ngamma aboru ina mati ina ira kobira ira parti yati iwalfe nerebe nu ala tadi ok d'accord awaire mate baranyo itangira chers auditeurs ou ma invité monsieur Mohamed Traoré B52 ou bara kuira be na question rapidement on va mener débat continuer après Mohamed Traoré monsieur Badi Touré Massé Neira la question Neira rapidement allô allô monsieur Badi Touré rapidement okay, oh. La question est ça rapidement ok merci monsieur Bangoula monsieur Traoré Inoumaré et pas Inoumaré Inoumaré ah bon vraiment il pas fait be radio ma numéro na bara mo la rien parce que il fa explication ne ré firme ma ki gibara mo rare le bo ki fanira parce que déjà ben n'ira pas en ligne na muta no bar radio rabbi mais ma comprend il fait na il se tord il fait quoi mutan mona fala mané in toro mona fala mané kono quelque part monta amane gife baramu kenen dondoroti parce que so senare a ya borna ra kuyeto et puis aga ifa mamu fataye ma khiride aga imu fataye ma khiride e reya ti borera bira kolon
kalumukui o germasui nagan nabari woti bore kanke wonun nare kirin ala kuwai parti installé kalumukui donc inta marol nagan tima ita gife nagan isotoriti gife nagan sotoriti ita yetakan ravi sacrifier parti nagambe ita mose falama nyamabe di parti mabrida parce que ta khasali miribin walma miribe kineri sarif yi modelida ta akul na fini ma fi gor gona na donc e mousse falama nyama be na ran na koro siri di parti tanga fera ma question si yene ki na falama nyama be mon frère badi touré vraiment era question barra fama na sima ibara masimbe ingara kirini nanana pourquoi ni parti servir ne 10 ans nyefu mukella nyefu mukella nana nkankangna musiga makoso kuyeba fvgf imunu tantama era ifala eta su era mise yida section kirinantununa kalum section mundunaki tombo section nanara anu federal chili. Il n'a jamais été élu par le Congrès et détenu autant de Bamou Modou comme le secrétaire fédéral de l'IFDG. Mais ça n'a pas pu marcher. Et les Mayel Manana, Kaloum, section Kirin, Kaloum, section Kirin. Donc, nous avons fait un peu de temps, nous section de Rodé, Kaloum, il est Birin. Nous avons devant tout le monde. Nous avons fait un peu de temps, nous section de Rodé, Kaloum, une fédération de Kaloum, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait nakulu nado girimo su na ranku nakulu nado yoron so se na ranku ala nan tun no man tare fiden walira amini fa wonwa ni wi daki ne eri sare fi modelira ala un na kan ni mu fi mala parce que ina ra ra fi da ba ke kulun tare de ntan na ran matimma nga ga kirin ne de na ran matimma mbari ne de mbara na kan bidin kanima e radje en ga ga kirin nan nan e pa pa kirin nan nan na on na rabra mi bete tan fora sono wonga won fanga won bon se fi matu ina ga ta lantari da ga na wuduma funisire mire na ga funisire la gine kui to se nara ni gati mu funisire so se ga puisque so se mu yam fe kolo to se a ga di la se mane sa di ma afa allocataire ye tel allocataire do se a honi arati a ga di bana a tuwa ma a ga di a tina ma tige wam mais vraiment ni ki bala tege ki papira ma mo yo no man tam pan sare fide ira me ale la di nga ki tam okay amala tim so bangura mo so bangura mo ger mo so bangura wa ma war mpe ga wen ma ma se na ganti ri alu ne mbé alu i alu ne mbé ki alu nye fu na ganti na bari parti ki bara to tang e pe na ganni ri ki bara tin di ben misara ni mi sa kuti na rambe ma mo yo ngi amili pa mi sare fi ma ine ki Monsieur Traoré, il a radio de la basse côte internationale, la Guinée-Birin a radio de l'Amérique. Il a Mengende Nabe. Il a Mengé, UFDG Mengende Nabe. Il a Mengé, FFM. Il a Mengé, Rami Kourabi. Il a Mengé, Ohio. Il a Mengé, Philadelphie. Il a Mengende Nabe, UFDG, Safa Tunkara. Il a Mengé, Iswaira. Mon question est de Tongo Matogo. Mbara fala ube, muke shongu ube, uon continue ma devama. Safa Tunkara, mon frère, bonsoir. Alors, oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous, monsieur Bangura, et bonsoir à monsieur Traoré. Voilà, donc vous avez écouté, Mbara aura militant, mbara, monsieur Safa Tunkara, ma se inaïra. Bon, écoutez, je pense que on a été édifié de la situation. Peut-être l'audience, oui, bon, moi j'étais un peu informé de tout ce qui se passait, mais par rapport à ce que M. Traoré a dit, moi je prie à tout un chacun de se poser la question fondamentale. Est-ce que l'UFDG a porté tort à M. Traoré ou pas? Qu'est-ce qu'on reproche à l'UFDG d'après ces explications qu'il vient de donner? Je ne veux pas que ça soit un jugement entre l'UFDG et M. Traoré, mais d'après ce qu'il vient de dire, toute personne intelligente et qui analyse de façon logique ce que M. Traoré vient de dire, à vous de tirer la conclusion. D'accord. Je vous rappelle,
On va tirer cette conclusion, M. Toumkara. Voilà. Je vais vous rappeler que l'UFDG, pardon, je vais vous rappeler que l'UFDG n'est pas une institution financière. M. Traoré a travaillé pour l'UFDG sans être payé. Donc, je crois que si les secrétaires fédéraux, les secrétaires fédéraux de l'UFDG ne sont pas payés, nous allons poser cette question à l'UFDG tout à l'heure, après le départ de M. Traoré. Est-ce que M. Sava Toumkara vous payez vos secrétaires fédéraux de votre parti? Non, écoutez, les secrétaires fédéraux, ils sont les élus à la base. Ils ne sont pas rémunérés. Hein? Même au sein du, même le bureau exécutif, les membres du bureau exécutif ne sont pas rémunérés. Il y a certains responsables de la direction nationale, en fonction de leur mission, ils reçoivent un montant pour couvrir les dépenses associées aux activités du parti. Et deuxièmement, M. Sava Toumkara, est-ce que vous êtes satisfait que M. Traoré a remboursé l'argent du parti? Il a vendu son terrain pour rembourser votre argent. Écoutez, qui dit rembourser, c'est parce que vous devez quelque chose. Vous ne remboursez pas quelque chose que vous ne devez pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Traoré qu'il a remboursé l'intégralité de l'argent que le parti lui avait prêté? Il a vendu À ce niveau, je ne pourrais répondre parce que je ne suis pas chargé des finances et des comptes du parti. Mais voici ce que moi je vais faire passer d'abord comme message, M. Bangoura, à vous et à M. Traoré. Je pense que la situation pour M. Traoré, il doit savoir qu'il n'est pas exclu du parti. Parce qu'il parle comme s'il était exclu du parti, ou bien il a été renvoyé du parti. M. Traoré, jusqu'à présent, tu es membre de l'UFDG, tu es militant de l'UFDG. Vous avez été suspendu. Ce qui veut dire que vous pouvez faire recours aux instances du parti. Permettez-moi d'aller au bout de la vidéo, s'il vous plaît. Je vais te répondre sur ce point-là. Je n'ai pas posé une question. C'est pas une question que j'ai posée. Non, écoute. Il faut lui donner le temps pour répondre. Monsieur Toumkara. Oui. Est-ce qu'un vice-président chargé des affaires politiques a le droit de prendre l'argent d'une fédération et manger? Vous me posez une question? Ça a été fait. Non, vous me posez la question. Banosso avait fait. Il n'a jamais été sanctionné. Parce que l'argent qui a été octroyé pour la fédération de Kaloum. Monsieur Traoré, vous savez ce que vous dites, comment on appelle cela? Vous justifiez un délit par le délit d'un autre individu. Cela ne vous rend pas innocent, Monsieur Traoré. Écoutez, il y avait un petit aussi. Il était à Bambeto, un télo. Il était chargé de la communication. Il devait à un monsieur plus de 800 et quelques millions. Il a été arrêté. Il était au tribunal de... il n'était même pas au tribunal. Il était où? Au DPJ. Est-ce que tu as compris? Donc, ce monsieur-là n'a jamais été sanctionné. Sauf qu'il a quitté dans l'IFDG. Mais on ne l'a jamais traité comme un escroc. On ne l'a jamais traité comme un escroc. C'est parce que lui, c'est un peu. Écoutez-moi, M. Toumkara. Là, je vous dis la vérité. Mais aujourd'hui, ce dernier, il est où? Il est à RPG. Pourquoi on n'a pas traité ce monsieur-là comme un escroc? Parce que c'est moi? Comment est-ce qu'on est un escroc? Je vais vous dire, Monsieur Traoré, vous venez de donner des explications ou des justificatifs par rapport à ce qu'on vous reproche. C'est-à-dire, vous vous justifiez par les crimes commis par d'autres ou les délits commis par d'autres pour vous défendre. Je comprends cette méthodologie, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce que je vous prie de faire, Monsieur Traoré, je vous prie. Avec tout ce qui vous est cher. Ne rentrons pas dans le débat parce que je suis Soussou, je suis de Kaloum, il est Peul, il est Malinké. Ça ne va pas vous servir. J'ai le plein droit de le dire. Pour la moralité de la chose, si ce monsieur-là n'est jamais traité comme un escroc, parce que
il devait 800 millions à cette personne-là. Le parti ne s'est jamais décidé de le sanctionner dans le parti dans le parti. Je suis d'accord avec vous, M. Traoré. Parce que c'est Traoré, moi, hier je vous ai dit, écoutez-moi, c'est pas l'exclusion là qu'a dit qu'il m'avait. Mais vous là me dites que moi je suis un escroc. Ah, et là, ils ont joué sur ma dignité quand même du tout. Ah là, je préserve ma dignité par rapport à ça. D'accord. Je ne suis pas un escroc. Je comprends, M. Traoré. Voici ce que je vais vous demander, M. Traoré. Hier, je vous ai fait le même reproche, ou je vous ai donné le même conseil. Essayons de faire recours aux instances du parti et le problème sera résolu. Je ne vais jamais faire le recours. D'accord, je comprends. Moi, je préserve ma dignité. Permettez-moi de parler, M. Traoré. Permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Je vous dis que je n'ai jamais fait le recours par rapport à ça. D'accord, je suis d'accord avec vous. Pas de problème. Moi, dans toute votre explication, je vais m'adresser à vous en tant que responsable de l'UFDG, mais on n'engage pas le débat sur ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Pour l'audience, ce qui est important, c'est de prouver votre innocence. Innocence, voilà. C'est ce que nous voulons. L'accusation. C'est ce qu'eux, ils veulent entendre. Voilà. C'est pas de savoir ce que l'UFDG vous a fait ou pas. Ouais. Mais est-ce que vous êtes innocent de ce qu'on vous reproche? Mais dans vos explications, vous accusez beaucoup plus l'UFDG que vous défendez votre innocence. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour que nous tous soyons au même niveau d'information, pour que l'audience soit au même niveau d'information que vous et moi, parce que je sais des choses que vous connaissez, vous connaissez que je sais des choses que les autres ne savent pas. Mais restons dans le cadre du débat là où vous prouvez que ce que l'on vous reproche, pas ce que l'UFDG vous reproche, mais ce que la justice vous reproche, que vous êtes innocent de cela. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est là le débat principal. Qu'est-ce que la gendarmerie vous a fait? Pourquoi vous avez décidé de rembourser la dame devant les gendarmes? C'est à vous de le prouver. Je vous remercie. Je vais prendre Hadja Memouna tous les comptes pour une question rapidement. Hadja Memouna tous les comptes, est-ce que vous avez une question pour M. Traoré, P52? Maragaba, Inoumari. B52, Inoumari, Traoré. Inoumari, Hadja. Je te donnerai 72 heures en tant qu'une sœur. Imaginez, non, vous avez fait. IFDG fa en deuxième rang dans le Kaloum. Amourabana. PIP face à RPG. Amour Alpha était à Kolon. Amoura Amoutin. Ging pagay mo la marabana no autoroute nango. Mais selon ton cas, orphelin de mère et père, Mounari Luna, avec la démocratie de la coordination basse Guinée, Mounari Luna. Mounari Afema. Et je te mets en demeure, en tant qu'une sœur, je te mets en demeure de démissionner dans 72 heures. En 72 heures, il a démissionné. Question de mon bébé, c'est ça. Il m'a donné des racailles. Merci beaucoup. D'accord. On va prendre M. Souleymane Ba. M. Souleymane Ba, vous êtes à la radio. Allô? Addiction. Allô, Souleymane Ba, ma chère. Oui. Allô? Souleymane Ba, ma chère, Naira. Je bangula mufambego. Hawaide. Ona be una ase lubore ira. O tam panelist na ora. Suleman ba mase na ira. Hawaide. Bon. Nyama rebu, Monsieur Traoré rebu. Allô? Traoré, voilà. Monsieur Traoré, je suis un membre fondateur de l'UFDG. En même temps, un membre du comité de soutien de Soldat de Diallo à New York. Écolo, on ne peut pas le connaître,
politique là dans les Conakry, la Guinée hier, c'est très difficile. Parce que non dit mon nom, hein, non pas la haine. Alors, Ramba, ouais, des bêtes, ils ont rien à cause. Quand même, le modèle est couru, mais il a carrière politique pour la Canamane. Parce que les bêtes benana, n'y a d'or, hein, à nous, ethnie d'arri. Nous avons un flamme, il bête, à sa l'incouru, mais il boit ma gourou et kata. Ko num parti xalu fi kere papa tun kala nan falak yebe akosi kono er ko lum ite chauffeur yi ki ne xeyra chauffeurment e ki kira nyaay ko mané nambi ni mané bu yamalé bu donc en fait ba barké dina dé complètement églé ko wala élu tranquille afa de sembayo mi rasono donc a fini xax dira fini xax dadi ina ka biru ko ramé di on m'a dit que je suis en Colombie. Je suis en modèle. Je suis en Colombie. Parce que je suis en nostalgie. Je suis en prêt. Je suis en prêt. Mais je suis en radio. Je suis en prêt. Je suis en prêt. La Guinée est l'air. On m'a politique. Je suis en prêt. Je suis à l'ethnie d'Arri. Donc, il y a un tour fait pour là. Il y a un IFDD. Il y a un IFDD. C'est le loi qui a fait. Il y a un IFDD. Parce que lui, il y a un bâti. Il y a un bâti. Il y a un bâti. Mais, il y a un pouvoir en Afrique, surtout la Guinée. C'est très difficile. C'est le lien. Il y a un bâti. Alors, mais le pouvoir prend toujours. Et quand Michel sera, il a carrière politique. Donc, il y a une question. Parti encore bien remboursé et n'a pas su y guiner de l'Ira. Et puis, deuxième question. Guiner du Kobri vers le Dema. Avec le Kobri Kobri vers le 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 Kobri vers et Ramakwari. Aha, il fait d'Angiridi, ça nous est la décision de la mini. Mais la décision de la mini est unilatérale. Et mon Rili, et mon Makwari, et mon Sef, c'est quoi ça, Falambe? La décision de la mini est. Monsieur Traoré, écoutez-moi, Ramakwari. Ramakwari, c'est quoi ça? Et à Koulou, par IFD d'or qui a un rêve. Rassali, la sanction de la mini. La sanction de la mini, il contre. Et à Koulou, c'est un rêve. Eko na ngandangi mamu ena kany sanctionné donc kana muraba ali mané bara plus profond na ngaraba akama se nyama be awa parti no sanction na ba de xamni sa fédin de raba na xamu geul landi est ce que comprendre awa mais quand on se le fan on na bi parti ra sanction na ba on na bi wona yegrega ba da wo boru tak monsieur Traoré ina wali ina wali kana Mais déjà, il est en train de voir le Canada, donc à Bananon. On a dit Londres, on a Madame Bantungo, Londres, Europe, Belarène, Naki, n'a pas la question, ça a conservé ce travaillement. Mais c'est bon, je vous en avais je vous dis. Indiana, Fana, Colombe 52, Fana, qui vient de voir mon VB 52, parce que Mouhamed 52, Amérique d'Arif, donc on a dit Londres. Londres, Madame Ba, bonsoir. Monsieur Bangoula, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. Bonsoir, invités. Voilà. Est-ce que vous avez un conseil à donner à notre frère B52? Non, je n'ai pas de conseil à donner à B52. Peut-être j'ai un conseil à donner à l'UFDG. Mais je pense que si vous voulez que je donne le conseil, d'abord, je vais attendre le moment que on va... Voilà, vous allez attendre le moment. Donc, voilà. La réponse que j'ai, la question que j'ai pour Monsieur B52, qu'il m'explique ici...
aujourd'hui, quelle était la raison principale pour son adhésion à l'UFDG, qui nous dise pourquoi il est rentré à l'UFDG. C'est ma seule question. Pourquoi il est militant de l'UFDG? Je vous remercie, je reste à l'écoute. Bon, d'accord. Moi, je suis venu à l'UFDG parce que j'ai lu le programme de CELU de 1, de 2, parce que les gens sont venus vers moi pour me dire, essayer de nous aider à implanter l'UFDG au niveau du Kaloum. Il dit, on a tout fait, on n'a pas pu implanter même une seule section au niveau du Kaloum. J'ai dit, bon, d'accord. Si Inch'Allah, Dieu nous aidera quand même du tout à mettre tous ces bureaux-là, au niveau du Kaloum. Quel a été le cas? Peut-être Dieu a exaucé quand même du tout, de ce que je l'ai dit. Donc, aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance à ce que j'ai eu le temps quand même du tout à mettre toutes les sections et plus la fédération. Moi, j'ai été élu par le Congrès. J'ai été élu par le Congrès. C'est tout. D'accord. Awaïdi, donc, Madame Ba, vous êtes satisfait avec la question, Madame Ba? Je suis satisfaite avec la réponse, mais je ne sais pas si vous faites les commentaires maintenant ou bien c'est après vous allez faire les commentaires. Non, on va faire les commentaires après B52. Je vais donc, voilà, je reste, j'espère que M. B52 sera là quand les commentaires seront là. Non, si tu veux faire un commentaire devant B52, c'est bon, hein, parce qu'on va libérer B52. Bon, en deux minutes, le commentaire, je vais prendre mon maître du côté de Indiana. Il va aussi poser. Allez-y. Monsieur Si, vous avez l'antenne. Indiana. Voilà, M. Bangoula. Ah, bonsoir. Mais ma question va poser, donc je ne vais pas retarder. C'est-à-dire que nous allons approuver simplement bien la décision Togo. M. Traoré suspendu. Est-ce que vous serez là-bas, il y a fait, etc. Mais, avant la répondre, il y en a avec Mouakli. Donc, bon, moi, je suis. J'ai pas d'autres questions. Non, simplement, ben, encourage Togo. Je conseille une réflexion ou le conseil de la carrière politique. Il y a une carrière politique qu'on a déjà. Parce qu'il y a une fin de c'est un mille fours. Voilà. Voilà. Parce qu'on te traite déjà de d'escroc. Alors, parce que nous avons une décision à malversation. Donc, il y a une carrière qui est venue au milieu de la partie en prison. Non, mais c'est vrai, ça c'est clair et net. C'est clair et net. Donc, M. Bangoura, une précision rapidement, deux secondes. On dit qu'il n'a pas été écouté. Mais il est parti dans le bureau de Dr. Roussou. Il a rencontré M. Hassani. Il a rencontré M. Keita. Et vous dites qu'il n'a pas été écouté? Comment M. Keita, M. Hassani, qui sont tous des députés et membres du bureau exécutif de l'UFDG, de la direction nationale, lui-même, il a dit qu'il est parti s'asseoir dans le bureau de Dr. Roussou. Il s'est expliqué. M. Hassani est venu avec l'argent. Pour lui dire, ok, on va te passer l'argent. Ça veut dire qu'il a été écouté. La décision n'est pas tombée. Écoutez-moi, je peux vous répondre. Est-ce que c'est l'instance suprême de. Est-ce que c'est là-bas qu'on prend des décisions? Et il y a le bureau exécutif. Écoutez, M. Yassani, il est vice-président du parti. Écoutez-moi. Je suis écouté là-bas, je ne suis pas écouté là-bas. Mais il y a le conseil politique, il y a le bureau exécutif. Il devrait m'appeler là-bas. Mais ce n'est pas en catimini qu'on va m'appeler pour prendre des décisions, pour dire non, c'est un sanctionné. Il devrait m'écouter. D'accord. Il devrait. D'accord. Je crois qu'on est pris par le temps, Moulamine Kone va poser. Je ne vois pas le désir, mais il me crée mal à bain. Hein? Je ne vois pas le désir, il me crée mal à la bain. Moulamine Kone, Il faut poser la question. Il faut dire, M. Traoré B52, c'est clair.
D'accord. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en Soussou. Alors que, bah, tu vois le film de société là. Je travaille mal. Ok. On va mal là-dessus. Bon, Konaté. Je suis là. Non, Konaté Mara, voilà. Condé Lamine Condé. Lamine Condé Nara, M. Traoré. On parle de l'UFDG, Washington. D'accord, je suis là. C'est-à-dire que je suis là, 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 je suis un peu confus. Et là, je suis parti, même quand j'étais dans la fédérale là. Je suis là, 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 Je suis là pour le poste. Je suis intervenu. Barisou Alayira. Père de famille Nanira. Et ton famille UFDG. Mais Rébé Wafé qui n'est pas là, ça m'a dit à ton voyage, c'est sur le Rouni. C'est bon, là, on va voir UFDG Rouni. Je vais te dire. Voilà, c'est un numéro de la nuit de l'année. Maintenant, on a parlé de la ratira. A quoi le fait pour moi? Mais ils sont à la ira. Et radi ratira. Inga, Kana, la Bamunana, à la Yapama, Inga ratira. Ethnifiba, Fifi. Il n'a politique même. Il n'a pas de politiquement. À la dé, c'est un comme Manikan et Tananga, il est désiré. C'est pas ethnifiba, M. Bangoua, la ligne. Dans ma ethnie, Mbarigi et Ingélez, il y a des gens. Maintenant, il y a une décision de mon ami qui a des gens. Ou bien, ça a dit, il y a des gens. Non. Nous, ma décision de mon ami, il y a des gens. 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 Pourquoi il parle de l'UFDG? Il y a un programme. Il y a des gens. Voilà, c'est pas une affaire.
C'est une radio. Monsieur Condé n'a pas dit un anti. Il y a un modérateur. Vas-y, Lamine Condé. Vas-y rapidement, Lamine Condé. Il y a un modérateur, monsieur, s'il vous plaît. Vas-y. Il y a beaucoup de respect pour vous, mais il y a un modérateur, s'il vous plaît. Vas-y rapidement. Il fait tard à Conakry, monsieur Condé. Vas-y. Merci beaucoup. C'est ça, vrai? Alors, rappelez une deuxième au Tongoma. Une seule Tongoma. Ça doit être Imanyou, Ira Tongo. Il y a un fait il y a un qui mais il y a un qui fait ah, c'est un peu comme ça, il y a un peu comme ça. 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 Il y a mais il décision personnelle. Mais il y a un peu comme ça. Il y a un peu la Guinée Kanira. La Guinée Kanira. Talum Kamira, c'est Kamira. Merci beaucoup. À la rétablie. Lamine Condé. Lamine Condé. Allo, B52. Non, B52, ouais. Lamine Condé, Abifé, ma frère. Allo, Lamine Condé. Que Nabi, M. Traoré. Et non, à la Kadi. Et Guérimassou, Mirina Rambe. Bien fou. Et la famille Iron, même les rapéra. Empoisonnement fait tout gré. Mire est débarqué en Rogne, a fait en Rogne Kana, a fait une para. Parce que Antalanso, la fille, Kaloum, il a sacrifice Birimato. A fait Barantan Soto. Est-ce que, étant les restes de radio, et fait Rogne la Barantan Narana, et moi auto bloqué, moi radio. Kéri. Et moi, c'est la radio, Chirin. Et moi, décision, mon ami. Nous avons la radio. Et tu as la radio, combien de fois est-ce que ma radio? Nous avons la radio. Nous avons la radio. Nous avons la radio. Nous avons la radio. Ils ont le droit de me le faire, ça. Fait la randangue à huis clos. Moudou Rotagi. Et tant les rana sakenema. Déjà, nous avons une partie de la Yagidi. Et tout le monde, on a un mot autour de mon fangri. Et tu fais bien, non, moi, mon fangri, andé, non, moi, tout, non, ta raïda, mais et en bas, c'est pas un abîme dénoncé, radio. Et voilà, dénoncé, Kirin. N'ta moua, n'a donc, n'a d'oumbou. Ah, voilà. Donc, on a perdu. Voilà, on a perdu M. Traoré. Voilà, on va essayer de voir si on pourra. Elle le reprend. De toute la façon, on a tout a été dit. Allô? Vous m'entendez? Ouais, Léo, mon héros de monsieur. Voilà. Monsieur Sino, tout a été dit. Moi, mon conseil maintenant, c'est à l'UFDG. C'est mon point de vue. Hein. Je ne parle pas en tant qu'opérateur, je parle en tant que Guinéen. Ce que je vais dire au responsable de l'UFDG, M. Traoré a dit sa version, c'est un militant de l'UFDG, quelqu'un qui s'est battu pour un parti pendant 10 ans, qui a un problème de 25 millions. L'UFDG ne devrait pas laisser la personne vendre son terrain pour rembourser l'argent de l'UFDG. C'est mon point de vue, hein. C'est mon point de vue. L'UFDG ne devrait pas accepter ces 25 millions-là. Surtout que pendant ces 10 années, dans son exercice, il n'a jamais été payé. Comme Safa l'a dit, ils ne sont pas rémunérés. Les problèmes arrivent à tout le monde. C'est un point de vue personnel. Moi, je crois que ce que j'allais dire à Traoré, et je vais le dire, c'était de demander à l'UFDG de rembourser Traoré ces 26 millions-là. S'il pouvait le faire. Et je ne dirais pas que le parti a tort de prendre des sanctions. Comme je l'avais dit, c'est son droit le plus absolu. Il doit... C'est-à-dire, c'est ce qui gâte la Guinée, quoi. Quand on sanctionne quelqu'un, on dit, je suis parce que je suis sous, je suis peul.
quand l'UFDG, c'est son droit. Quand tu es fautif, on doit prendre une sanction contre toi. Mais comme on a politisé tout en Guinée. Mais cette fois-ci, ce que Traoré vient de dire comme ça, l'UFDG doit faire beaucoup attention et ils doivent rembourser les 26 millions là. S'il a vendu son terrain, donc acheter un autre terrain, remettre à ce petit là. Je parle à la radio, c'est un point de vue. Je ne parle pas, je m'enlève le manteau du modérateur. C'est pour cette raison que je voulais l'écouter. On l'a traité d'escroc. S'il a fait l'escroquerie, bon, moi je ne vois pas, c'est un problème qui s'est passé. S'il y a eu l'escroquerie, l'escroquerie s'est passé entre lui et une autre femme. Pour et cette affaire. Monsieur Bangoura. Moi, voilà. C'est un point de vue personnel hein, à l'UFDG. Si hélas, c'est Loudalem va écouter cette émission, moi je demanderai à l'UFDG de rembourser les 26 millions de petits là. Allô, M. Bangoura. Voilà. Donc, on va passer aux commentaires. Monsieur, si vous voulez ajouter quelque chose, je voulais prendre une petite pause musicale, puisqu'on a fait au moins. Qui? Une heure de temps. Oui. Vas-y, monsieur. Bon, il y a M. Konaté qui est en ligne qui voudrait intervenir. Je vais le laisser intervenir et après on va à la pause et on revient. Voilà, d'accord. On va. M. Konaté est là. Il y a tellement. Allô, M. Bangoura. Oui. Tu sais ce que moi j'aimerais apporter après l'intervention de M. Bangoura. Vous savez. Il ne faut pas être passionné dans les débats. Il ne faut pas être passionné dans les débats. Ouais. C'est quand quelqu'un atteint un certain point dans sa vie et il aimerait au moins être responsable de ce qu'il veut. Ouais, c'est donc, ce que je veux dire par là. Oui. Voici le programme de B52. B52, comme il l'a dit, il s'est battu pour ce parti, il a tout fait pour ce parti. Mais il y a un problème que les gens ne comprennent pas dans cette situation. Les responsables politiques de l'UFDG n'ont plus confiance à Mohamed B52. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas confiance à ce jeune parce que tout ce qui tourne aujourd'hui autour du pouvoir central de Conakry, Mohamed B52 est avec ces gens-là. Pour une petite histoire, sa femme travaille pour quelqu'un aujourd'hui, qui voyage souvent avec le président de la République. Si le parti aidait les gens, vraiment, la femme de B52 ne doit pas se retrouver dans un cabinet de communication ou de presse et qui est lié à la présidence. Personne ne peut le dire parce que je connais bien l'homme. Je parle avec cet homme. Mais malgré tout ça, il est là. Il n'a pas bougé. Il n'a jamais bougé malgré tout. Bobodi seul est capable de tourmenter la tête de B52 avec l'argent si ce jeune-là était ambitieux. Ouais. Mais il dit, je veux travailler. Au lieu de me donner du poisson, apprends-moi à pêcher. S'il vient voir le responsable, le président Sello est capable de placer n'importe quelle personne aujourd'hui dans son sphère parce qu'il est ami au président de la République. Même pour donner du travail aux jeunes et à sa femme qui est diplômée de l'université, ça ne s'est jamais passé. Donc, il y a une frustration quelque part. Ce n'est pas l'affaire d'argent là même. Ouais. C'est une frustration collective au niveau de certains membres de l'UFDG. Maintenant, pourquoi l'affaire là s'est retrouvée à la place publique? C'est une autre frustration. On sait que déjà, les gens de l'UFDG ont l'habitude de calomnier sur les gens. On a accusé Baouri ici qu'il a reçu 200 000 de la main d'Alpha Condé. Jamais la preuve n'a été apportée à la place publique. Oui, on peut sanctionner, on peut suspendre, on est d'accord. Mais apporter au moins
la preuve. Au moins, laisser les gens s'expliquer. Il ne faut pas prendre des décisions unilatérales parce qu'on veut améliorer l'image du parti. Mais si le chef de parti même prend les 500 millions sans dire à ses commandants et capitaines, et quelqu'un d'un autre parti balance ça à la place publique et tout le monde en parle, mais quelle est la décision qu'on doit prendre contre le chef de ce parti? Si le jeune est parti revendre son terrain pour vous rembourser, ouais, mais quand même, ayez honte, respectez-le, respectez sa vie privée. Pourquoi le trimballer devant la place publique dans les news? Ouais, ouais. Aujourd'hui, il est un peu partout. Son nom est écrit un peu partout. Ouais. Tu sais ce que les gens vont dire? B52 réagit aujourd'hui par rapport à son entourage. Ils vont dire, ah, Moundi Falenebe. Moundi Falenebe, il nous... C'est comme ça qu'ils vont le dire. Et il s'est senti blessé dans son âme, il va réagir sans penser. C'est ça le problème. Je comprends l'intervention de Condé, mais le problème c'est quoi? À chaque moment que les gens affûtent leurs militants pour aller ou pour préparer l'élection présidentielle ou communale ou quoi que ce soit, c'est le moment qu'on choisit à l'UFDG, soit pour sanctionner, soit pour exclure quelqu'un. Okay. Je ne dirais pas que lui est Mohamed B52 est l'image de l'UFDG, mais à Kaloum, mais Mohamed B52, je sais de quoi je parle. Je n'invente rien. S'il était là, sous les ondes, il allait témoigner beaucoup de choses. Je sais combien de fois ce jeune-là s'est battu. Monsieur Konaté, on est pris par le temps, vraiment. On est pris par voilà. Le temps. Je vous remercie. Merci. Vraiment, okay. Je suis d'accord, parfaitement d'accord avec vous. Le jeune-là s'est battu, même si c'était un escroc. Même si c'était quoi? Ce qu'il a expliqué comme ça, moi, vraiment, 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 je suis déçu des leaders politiques guinéens, la manière dont ils traitent leurs militants. Même s'il était un escroc, moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, les UFDG sont là, Dieu merci, n'a pas pris de décision d'abord, je n'allais même pas lui laisser de prendre une décision là-dessus. Mais ce que je vais demander à l'UFDG, au bureau exécutif de l'UFDG, c'est un point de vue personnel que je donne en tant que Guinéen. Okay? Nous sommes à la radio des Guinéens. C'est de tout faire de rembourser les 26 millions de l'UPTI là. Vous ne l'avez pas payé pendant 10 ans. Pendant 10 ans, quelqu'un travaille pour vous. Pendant 10 ans, sans aucun franc. La personne a un problème de 26 millions. Il n'a même pas été choisi comme candidat à l'élection. Attention, pour être à l'Assemblée nationale. Non. Au moins, on pouvait le faire ça. Nous sommes des musulmans. Moi, je demanderais à l'UFDG de rembourser le petit là, les 26 millions là. S'ils veulent le faire, hein, c'est un point de vue personnel à moi, en tant que Guinéen, pas modérateur aujourd'hui. Et je mettrai cette émission-là sur internet dans 15 minutes pour que Ella Seloudelen écoute. Je lui lance un message, un défi même. Il doit rembourser B52 les 26 millions là. Je peux l'appeler même au téléphone pour lui dire. Il y a des erreurs comme ça, c'est ce qu'on doit éviter dans une grande formation. C'est dans la merde là que Alpha Condé se trouve aujourd'hui. Tous ces gens-là, les faux problèmes-là qui se passent en Guinée avec Alpha Condé, c'est ça. Il ne faut jamais traiter des militants de ce genre. 10 ans, moi je suis convaincu que 10 ans, s'il avait dit qu'il avait fait que 6 mois, j'allais dire, mais petit, ce que tu fais là, c'est pas bon. Quand on vous sanctionne pour faute, il ne faut pas... Mais 10 ans, vous ne l'avez pas payé, 10 ans. Quand il a un problème, aurait été moi à la place de Selou. Le petit là vient dans mon bureau avec son problème là. J'allais demander, appeler le caissier de payer les 26 millions à la femme là. Et de demander au petit de ne pas rembourser l'argent là. Parce que je ne l'ai pas payé. Dans toute chose, il y a des péchés. De toutes les façons, voilà, madame Ba, c'est à vous l'antenne pour votre commentaire.
nous ont pris par le temps. Je crois que Safa Tunkara va réagir tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Nous sommes à la radio de la contradiction. Je suis un Guinéen comme Safa Tunkara, comme Lamine Condé. Lamine Condé veut demander pardon à B52. Et je sais que B52 n'a pas démissionné. De toute la façon, il n'a pas démissionné. Et c'est quelque chose que vous pouvez régler. Mais vraiment, chercher à mettre ce petit-là à l'aise, parce que Kaloum est un point stratégique. N'oubliez pas ça. Vous êtes des politiciens, on ne doit même pas vous apprendre à cela. Vous ne devez pas avoir des problèmes avec quelqu'un qui occupe un point stratégique pour vous. Vous savez que vous avez des ennemis politiques. Moi, je crois que les 26 millions-là, ils doivent être remboursés au petit-là et vous cherchez à maintenir le petit-là dans le Kaloum. Sans quoi, vous n'aurez personne dans le Kaloum. Hein. Si B52 part, moi, je crois que vous n'aurez... ça sera une erreur fatale pour l'UFDG. Alors, et Madame Ba, c'est à vous l'antenne. Monsieur Bangoura, je vous remercie, mais Monsieur Bangoura, franchement, sur l'honneur, sur le Saint-Courant, à chaque fois quand j'écoute les débats guinéens, j'ai très mal. Oui. J'ai vraiment mal pour ce pays et j'ai mal pour ses fils, Monsieur Bangoura. Je sais que Monsieur B52 n'est pas en ligne, mais quand même, je suis certaine qu'il y a des gens qui pourront lui transmettre le message. Ce que moi, je vais dire à Monsieur B52 comme conseil, de ne jamais rentrer dans un parti politique parce qu'ils sont venus te prendre. Il faut rentrer dans un parti politique par conviction. Et c'est le conseil que je vais lancer à l'UFDG aussi. Et monsieur Si est là, il est comme on appelle ça, cadre d'un parti politique. Tous les cadres des partis politiques qui sont là, faites de telle sorte que quand vous envoyez quelqu'un dans un parti, qu'il soit là par conviction, essayez de convaincre la personne pour qu'il comprenne que son combat, ce n'est pas pour être payé temporairement, c'est pour être payé à vie. Monsieur Bangoura, Abbé Sylla était venu ici à Birmingham, son fils même était là. C'est chez moi, ils ont mangé même avant d'aller à la réunion, parce que ceux qui n'ont fait ne pas aller dans la réunion. J'ai refusé parce que 90% de ceux qui partaient disaient que il y a un politicien américain qui est riche, qui vient, il va faire un parti. S'il vient, à l'époque, je suis en train de faire... Je devrais faire mon master's. Il peut même payer mon master's pour que je rentre dans son parti, il va me former. J'ai dit à son propre fils, il est là, il a étudié ici, maintenant il est en Guinée. J'ai dit, envoie-moi le programme d'abord. Je ne vais pas aller, parce que d'abord, le groupe même qui partait, eux tous, ils partaient là-bas à cause d'argent. Personne ne partait par conviction. Et vous voulez qu'on construise le pays? Quand vous regardez Obama, beaucoup qui ont voté Obama, c'est parce que peut-être ils se disent que quand il va venir, il va apporter quelque chose. Qui a dit que je vais aller voter Obama parce que je vais aller croiser Obama? Si j'ai eu un problème personnel, je vais aller, Obama va me donner une enveloppe. Monsieur Bangoura, j'ai mal. Je suis dans un parti politique ici, les conservateurs. Je ne connais même pas les grandes personnalités. Et je m'en fous, je n'ai pas envie de les connaître, je n'ai pas besoin de les connaître. Mais je me bats pour que les lois qu'ils ont mises en place, ces lois-là, quand ils seront instaurées, j'aurai un avenir dans ce pays, mes enfants auront un avenir. C'est comme ça qu'on adhère à un parti politique. J'ai entendu ici, comment vous pouvez aller dire à quelqu'un, je vous prie de venir dans un parti, et la personne va venir parce qu'elle a été priée. Non, ce n'est pas comme ça. L'UFDG... S'ils veulent apporter quelque chose de solide dans ce pays, c'est de se battre et essayer d'éduquer le peuple, pour dire au peuple, ce sont des programmes que je vais mettre, ce sont des programmes que mes adversaires vont mettre, c'est en fonction de ces programmes-là que vous devrez vous battre. Et ce monsieur B52, si vous lui dites, vous lui donnez 72 heures pour qu'il n'a qu'à démissionner, récupérez-le, il va vous faire la même chose, il va venir vous demander sa dépense journalière, le jour que vous n'allez pas, il va sortir encore. Je sais qu'il y a eu des erreurs. Parce que je ne peux pas admettre que quelque chose qui se passe dans l'interne, qu'on vient dans les radios et on règle. Ça a été l'erreur que l'UFDG a eu à faire. Parce qu'on a des militants dans l'UFDG, ce sont des gens qui chacun peut venir parler au nom de l'UFDG. Mais personne ne va venir voir ce qui est bien ou bien essayer de réfléchir avant de venir. C'est l'erreur qu'ils ont fait au monsieur. Il s'est battu. Mais si c'est quelqu'un qui était rentré dans l'UFDG par conviction pour dire « Ah, Selou a dit qu'il va mettre une loi où Kaloum va être détruit, ils vont construire Kaloum. »
Je sors à l'UFDJ. Vous pensez que ce monsieur, son objectif serait de rencontrer ses loups pour une petite question de 25 millions? Non! Son objectif serait de se battre pour que l'UFDJ vienne, pour qu'on détruise ce Kaloum dont on dit que tu ne rentres pas. Je suis fils de Kaloum. Je veux que Kaloum n'a qu'à avoir une image comme plateau. Parce que c'est le plateau, c'est comme Côte d'Ivoire. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un m'envoie un programme pour dire que le jour je viendrai au pouvoir, je vais casser tout Dinguira, je vais mettre des buildings. Quand je vais aller me battre dans son parti, je m'en fous de croiser le qui est le président. Je m'en fous d'avoir un poste en Afrique. Quand on rentre dans un parti, on se bat. J'ai entendu tout à l'heure, il devrait être député. Écoutez, non. S'il n'a pas une ambition peut-être d'être député, il pense qu'il peut seulement peut-être regrouper, qu'il vienne, il fasse son boulot. Parce que son objectif principal, ce n'est pas de manger, ce n'est pas de se servir. Son objectif principal, c'est qu'il y ait un pouvoir, c'est qu'il y ait un leader qui va apporter quelque chose, qui va faire que, qu'il connaisse le leader ou pas, quand il va se lever demain dans Kaloum, là, il va passer jusqu'à Koya, il ne va pas croiser l'embouteillage. Il va pas, si sa femme qu'on dit, ils vont chercher du boulot pour elle, là. Ils ne seront pas obligés d'aller jusqu'à même voir quelqu'un pour avoir son boulot, parce qu'elle est diplômée. Elle n'a pas besoin d'être liée ou de connaître quelqu'un pour avoir son boulot, M. Bangoura. Pour qu'il y ait une justice, pour qu'il y ait le pays soit vraiment développé à un niveau où on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il n'a pas besoin de connaître Safa Tunkara ou vous, M. Bangoura, pour venir et pour que sa femme ait un boulot. Ça peut être le combat de tout le monde. Et c'est ça qui nous différencie de l'Occident, M. Bangoura. Vous voyez, c'est un militant ou bien quelqu'un qui se bat pour un parti, il cherche à voir Obama. Il s'en fout. Il cherche à ce que Obama vienne au pouvoir, il cherche à ce que Trump vienne au pouvoir pour que Trump instaure les lois qui vont faire que, à partir de son salon, il n'a même pas besoin de connaître, il va être au même pied d'égalité que le fils de Trump. Mais pourquoi en Afrique, on ne peut pas avoir ça? Ils sont pleins comme ça, et à l'UFDG, qui pensent qu'il faut venir à l'UFDG, il faut militer 5 ans, 10 ans, il faut taper la poitrine, venir dans les radios, insulter ou bien venir expliquer pour que l'UFDG vienne pour être ceci ou bien pour être cela. Non. Et ça me fait mal quand ça vient de la diaspora, parce que nous qui sommes ici, on a quand même vu comment l'Europe fonctionne, comment l'Occident fonctionne. Et maintenant, je connais des gens qui sont aujourd'hui liés à des chefs, à des leaders politiques. Vous voulez que les gens rentrent dans votre parti pour venir simplement piller vos frères? Non. Parce que le jour que ces gens-là viendront au pouvoir, c'est parce qu'ils envoient un programme qui va construire la Guinée tout entière. Vous voulez un nom, une fierté, et vous voulez une assurance, et pour vous et pour vos enfants. Ce n'est pas des dépenses journalières. Vous allez être aujourd'hui à l'UFDG, vous allez vous battre pour Kaloum pour qu'on vous donne 10 000, 20 000, 26 millions, comme vous venez de le dire, ce problème-là, et c'est réglé. Et vous allez manger, ce problème-là va être réglé si ce loup ne vient pas au pouvoir. Ou bien est-ce qu'on n'envoie pas les lois comme vous voulez les lois? C'est zéro. Dans 10 ans encore, vous allez toujours rester dans le Kaloum-là, en entrée couchée. Pourquoi on ne peut pas ensemble, nous les fils de cette Afrique, se donner la main, se battre? Je n'ai pas besoin que quelqu'un me connaisse. L'UFDG, moi je vais vous dire, c'est le parti que j'attaque tout. Je suis lié à l'UFDG, je ne suis pas rentré dans l'UFDG hier. Hein? Je ne suis pas rentré, je suis héritier, je peux dire que je suis héritière de ce parti. Je n'ai pas besoin de rencontrer ces loups, je n'ai pas besoin de rencontrer Alpha Condé. Aujourd'hui, il y a des leaders que j'aime, je n'ai pas besoin de les rencontrer pour pouvoir me battre pour eux, pour qu'ils viennent. Ce n'est pas leur visage, je veux. C'est leur programme que je veux, qu'ils mettent le programme en marche pour que je rentre chez moi paisiblement. Parce que quand Kaloum va être construit, M. Bangoura, ceux qui disent que Moutanangbe Kaloumra, quand la Guinée va se développer, quand il y aura la justice, il n'y aura pas de différence entre celui qui s'est battu et celui qui ne s'est pas battu. Tout à fait. Quand on va avoir tout ça, on va être tous au même pied d'égalité. Tout à fait. Et vous voulez que ce pays-là avance dans cette question de je me suis battu 10 ans, 20 ans, on ne m'a pas payé ça. Moi, je veux savoir, un fédéral, est-ce qu'il est payé? Il a un salaire? Pour qu'on dise qu'on ne lui a pas donné même un franc. S'il s'est impliqué dans un problème qui est personnel, qui n'a rien à voir avec le parti, je le répète, l'UFD ne devrait pas transporter ce problème sur les lieux publics. Il pouvait régler ça. Voilà, parce qu'eux-mêmes, c'est en se salissant. Il pouvait régler ça sans vraiment toucher. Et le monsieur peut ne pas avoir tort. Peut-être que c'est comme il vient de le dire, c'est une garantie. Nous tous, on peut tomber dans un problème d'escroquerie. Et ça trouve que en tout cas, on n'avait pas l'intention que ça tourne au vinaigre. Nous tous, on fait des business, on peut tomber dedans, M. Bangoura. C'est le côté que je déplore. Mais je dis à tous les Guinéens, à tous les cadres guinéens, si vous voulez approcher quelqu'un, vous pensez qu'il est bien,
approchez-le. Avant que vous l'approchiez, expliquez-le que le combat que vous êtes en train de faire, c'est pour vous aujourd'hui, pour vous demain et pour vous après-demain. Ce n'est pas pour quelque chose qui est volontaire. Seulement en Guinée, vous voyez quelqu'un, il est ministre, il est directeur, un mois, deux ans. Après, quand le pouvoir tombe, il tombe. Toute sa génération tombe. Parce qu'il est venu, il a fait un combat temporaire. Il est venu, il a fait un, il a gagné quelque chose temporairement. Ceux qui se sont battus ici dans les années 15 ans, 20 ans, 50 ans en avant, ils sont en train de récolter ça à partir de leur tombe. Parce que leurs enfants aujourd'hui ont une bonne éducation, vont dans les grandes écoles, sont en train d'être soignés. C'est ce qu'on appelle un développement. Donc, M. Bangoura, franchement, les débats guinéens, on n'a qu'à essayer d'expliquer au peuple. C'est par conviction qu'on doit faire toute chose. On n'a pas besoin de croiser le chef. Si j'aime Abessila, je n'ai pas besoin de croiser Abessila. Je vais faire le combat de Abessila, parce que Abessila, c'est l'homme qui veut envoyer une loi pour construire la Guinée. Ma Guinée et la Guinée de mes enfants, la Guinée de mes petits-enfants. Je m'en fous du reste. Parce que nous tous, on a quand même un métier, on a quand même un boulot, on a quand même de quoi se nourrir. Aujourd'hui, vous voyez un ministre de Alpha Condé qui se dit ministre, c'est vrai, il a des milliards, mais cela va faire que sa voiture va se transformer en hélicoptère pendant l'embouteillage. Je dis non. Mais s'il avait posé quelque chose de solide, et le ministre de lui, le ministre jusqu'à son planton, ils seraient tous en sécurité. Ils auraient tous une bonne éducation. Leurs enfants allaient accéder, et comme on appelle ça, de grandes universités. Si leurs femmes tombent malades, même si le jour ils ne sont plus ministres, le combat qu'ils ont mené hier, étant retraités, ils vont essayer de bénéficier. Même s'ils sont morts, leurs enfants vont bénéficier de ce qu'ils ont posé. Mais chacun est là, il travaille pour sa personne, il oublie sa génération, il oublie la Guinée de demain. Je vous remercie, M. Bangoura. Franchement, merci à vous, la Guinée me fait Mme Bas. Chers auditeurs, on est pris par le temps. Et je crois qu'on va prendre cet auditeur-là. Hein. Je crois que c'est Silla, hein. Silla de New York, le 1281. Qui aura le dernier mot à dire ce soir. Silla, vous êtes là? Oui, je suis là, M. Bangoura, je suis là. Ah, voilà, M. Bouba Silla, vous aurez le dernier mot à dire ce soir, hein, donc je vais pouvoir vous donner l'opportunité, vous avez... Vous allez me donner l'opportunité au moins de remercier ma soeur Iliassou quand même. Hein? Voilà, votre soeur, ça va être une caravane, deux minutes rapidement, remercie tout le monde, hein, parce que là, moi, je vais t'appeler bien pour te parler, hors antenne. Voilà, on va pas tout dire. Absolument. Deux minutes rapidement, ça va. Absolument. Bon, M. Bangoura, merci à vous, merci pour cette opportunité de venir parler de non seulement de notre Guinée, mais je dois avouer que à mon entendement, on allait beaucoup plus parler de la manifestation de demain que de parler du cas particulier de monsieur... J'espère que l'UFDG aura l'opportunité de passer sur vos antennes au nom de l'opposition pour vraiment parler de cette marche et manifester ces différentes manifestations qui se préparent. Maintenant, je pense pour le cas particulier de M. Traoré, l'UFDG, je pense que je me suis pas engagé dans le débat avec M. Traoré pour prouver qu'il a tort ou raison, ou bien que notre suspension elle est légitime ou pas. Je pense que j'ai parlé dans le cas généralisé, dans le respect des règles et les statuts du parti, et cela incombe tous les responsables du parti. Ça ne s'impose pas à M. Traoré seulement, ça s'impose à tout le monde. Moi-même, ça s'impose à Safa, ça s'impose à El Asselou, ça s'impose à tout le monde. Et j'espère qu'on va suivre les instances pour prendre les décisions, aussi faire recours aux instances pour entreprendre la démarche normale pour soit démissionner ou rester dans le parti. Mais nous tenons M. Traoré. Ça, je vous le dis haut et fort, Monsieur Bangoura. Et faut le faire. Monsieur Traoré, c'est un monsieur qui s'est battu pour Kaloum, pour l'UFDG. Ouais, il s'est battu, pas pour l'UFDG seulement, mais pour tout Kaloum, pour voir un meilleur avenir dans Kaloum. Parce que comme il a dit, il est venu dans l'UFDG parce qu'il avait confiance au programme du parti. Et il s'est battu, il a fait des campagnes, il s'est battu pour vendre l'image du parti. Donc ça, il ne peut pas le perdre. Il ne faut pas qu'il perde tout cela. Ce sont des acquis pour lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se battre jusqu'à ce niveau et perdre. Donc nous remercions M. Traoré pour son travail et nous espérons qu'il va revenir faire mieux que ce qu'il a fait déjà. Tout à fait. Parce que la mission n'est pas terminée. La mission, c'est de voir Kaloum développer comme il a dit. Parce que pour chaque Guinéen, on est attaché à un domaine. Et il s'avère que beaucoup de Guinéens estiment, comme dans les élections parlementaires le plus souvent, on s'intéresse à un domaine très particulier. Donc si c'est le cas, il veut se battre pour Kaloum d'abord. Et on pense qu'il peut gagner ce combat.
comment elle va gagner ce combat? C'est en se battant pour que l'UFDG soit au pouvoir et que l'UFDG impose ou bien arrive à faire avancer son programme qu'il a déjà entrepris, ou bien qu'il a déjà proposé ou mis sous la table comme promesse aux électeurs. M. Traoré, il est très connecté à Kaloum, c'est un homme fort Kaloum, nous n'allons pas le nier. Mais il va falloir qu'il revienne et dans les instances du parti, qu'on en parle, qu'il reprenne fonction et qu'on finisse cette mission qu'on a déjà engagée. Ce Traoré n'est pas de l'UFDG parce qu'il est d'une région particulière, je ne pense pas. Tout à fait. Je pense qu'il est là par conviction et nous respectons cette conviction. Et nous pensons avec rigueur et avec beaucoup d'esprit d'humilité que M. Traoré va permettre à l'UFDG d'atteindre son objectif et développer la Guinée à long terme. Tout à fait. Donc, M. Traoré n'a pas été traité d'escroc comme certains veulent le faire croire. Je pense, éloignons-nous de ce débat qui est très bas, j'espère. Et entendre cela des intellectuels, je pense que c'est assez bas. Analysons plus que ça, mieux que ça. Soyons un peu académiques dans notre approche. Donc, M. Bangoura, aujourd'hui, l'objectif des Guinéens, c'est quoi? C'est réellement de sortir de cette paupérisation qui ne fait que perdurer en Guinée. C'est réellement de changer les donnes, imposer une certaine moralité dans la politique guinéenne. Et pour cela, il va falloir que l'administration guinéenne fonctionne comme il se doit. Et pour cela, il faut un peu de rigueur, un peu de discipline et le respect des règles et des lois. Oui, mais que ça nous va tout imposer. Vous allez dire demain, au cours du meeting sur le boulevard Télé Diallo, au peuple de Guinée qui n'a pas été dit, puisque Alpha Condé est surtout sur le point de départ, anyway, il va partir. Alors, qu'est-ce que vous allez dire demain qui n'a pas été dit? Bon, monsieur, j'aime bien cette opportunité. Merci d'ailleurs de me donner cette opportunité. Je vais vous dire, parce que vous savez, le meeting de demain, ou bien les manifestations qui ont été organisées par l'opposition, il y a des points particuliers. Le tout premier point que nous allons dénoncer, c'est l'insécurité et l'incertitude dans lesquelles vivent aujourd'hui nos citoyens et nos compatriotes. C'est-à-dire, nous n'avons pas à démontrer à quelqu'un l'insécurité. Mais nous allons démontrer aux Guinéens pourquoi aujourd'hui l'État est incapable d'assurer la sécurité de tous les citoyens guinéens. Pourquoi les mesures préventives qui ont déjà été engagées par AFAN n'ont pas réussi. Pourquoi aujourd'hui les dépenses dans le secteur sécuritaire sont orientées vers un autre secteur plus attrayant pour eux, les gouvernants, que pour la population guinéenne. Le deuxième point, des personnes sont brûlées vives ou accidentées en Guinée. Qu'est-ce que l'autorité fait? Pas de poursuite judiciaire. La justice populaire se fait tous les jours. On attend le ministre de la Justice faire des déclarations fantaisistes, mais il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de fin à cela avec arrestation et jugement. Il y a le manque d'infrastructures routières et hospitalières en Guinée. Est-ce que cela, on a besoin de répéter à tout le monde? Mais nous allons vous expliquer pourquoi aujourd'hui Alpha Condé n'arrive pas à faire de l'hôpital Ignace Line ou de Donka la priorité dans l'amélioration des conditions sanitaires des Guinéens. Parce que lui, il a d'autres responsabilités. Je vais vous inviter, M. Sabatunka. Donc, donnez-moi un programme. Je vais faire un débat avec vous. Absolument. Donc, moi, vous pouvez me contacter à tout moment. Mais maintenant, mon message, c'est pour ma sœur Iliassou. Je pense que tout ce qu'elle a dit, je suis d'accord à 99%. Le 1% là où je ne suis pas d'accord, aujourd'hui, elle est ambitieuse. Elle a des compétences. Elle a des visions. Mais aussi, elle a envie de voir la Guinée sortir. J'espère. Dans le passé, elle m'a donné l'opportunité de parler de l'UFDG. Mais ce n'était pas pour défendre le programme de l'UFDG. Mais j'espère, comme elle et tous vos auditeurs, que j'aurai l'opportunité de m'asseoir avec eux face à face ou bien d'échanger au téléphone pour parler du programme de l'UFDG pour qu'ils apprennent que l'UFDG n'est pas un parti qui est là pour des individus qui ne visent que leur ambition personnelle. Parce que comme elle a dit, c'est ce qui nous fait échouer en Guinée. La diaspora, le plus souvent, certaines défenses de parti, parce qu'ils estiment quand elle a celle ou bien tel sera président, eux seront ministres, donc ils vont couvrir leurs dépenses ou leur famille. Mais la sœur Iliassou, je sens qu'il y a une certaine honnêteté intellectuelle. Et c'est ce que moi, personnellement, je sollicite. Les personnes qui ont une probité morale et qui ont une certaine honnêteté intellectuelle. Ces personnes s'engagent parce qu'ils ont une conviction. Et c'est de ça qu'on a besoin en Guinée. Pas seulement dans l'UFDG, ma sœur Iliassou. Si tu penses que tu peux servir mieux à travers un programme autre que l'UFDG, je te prie de le faire parce que moi, je sens en toi que tu as envie que les choses changent. Et celui qui se fâche quand il entend certains propos
qui n'arrange pas la nation et qu'il ait le courage de le dire en public, moi je ne peux que t'applaudir. Tu as eu le courage de dire ce que la NGR faisait et tu as condamné cela. C'est un débat que nous tous nous avons eu ici. Nous avons tous condamné cela. Mais il y a d'autres partis politiques qui le font. Donc ayons le courage de nous asseoir face à face et de nous engager beaucoup plus pour que la Guinée d'aujourd'hui soit une histoire d'hier et qu'on dise la Guinée de demain meilleure que la Guinée de demain soit meilleure que la Guinée d'hier. C'est ça notre objectif. Merci à vous. Donc, M. Bangoura, merci à vous. Je suis à l'écoute. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. Et je vous donne le droit de donner mon numéro de téléphone à vos auditeurs ou à quiconque qui voudrait parler de l'UFDG, qui voudrait écouter un responsable du parti donner, étaler le programme du parti, mais aussi pour parler de cette marche que nous préparons. Et bonsoir à M. Lamine Condé et à tous les responsables militants du parti UFDG, mais aussi tous les compatriotes guinéens qui sont en ligne, qui m'ont donné l'opportunité, en tant que citoyen, en tant qu'ami, en tant que frère, pour parler de ce grand parti UFDG et de l'avenir de notre nation. Et God bless Guinée for moi. Ah, merci, merci à vous. C'était Safa Tunkara, chers auditeurs, un membre très influent de l'UFDG. Voilà, donc... J'ai une question pour vous, pour terminer. C'est à M. Bouba Sylla maintenant de boucler la boucle, de fermer... Non, cette... M. Bangoura, je devais intervenir. On a parlé de... Voilà, avant de boucler, j'ai une question pour vous, M. Bangoura. Bangoura. On a 5 minutes. La taille de l'émission ne me permettra pas de dépasser 10 minutes. Voilà, on va donner 5 minutes à M. Bangoura. J'ai une question personnelle pour vous. Pour fermer cette émission de ce soir, on va balancer l'émission. Je crois que la NGR est contente. À chaque fois quand l'UFDG elle se trouve dans les urnes, je crois que la NGR est contente. Monsieur Bongo, accordez-moi une minute. Voilà. Donc, une minute. Bouba Sylla, c'est à vous l'antenne. Monsieur Bangoura, une minute. Il a levé sa messe pendant très longtemps. Vraiment, voilà, donc je vais lui donner ce temps-là pour fermer. Monsieur Bangoura, si vous m'accordez une minute, ça me ferait plaisir. Une seule minute voilà. Avant donc que... Donc on va donner les 7 minutes d'abord à Bouba. Je vais vous accorder les 1 minute, ceci, avant de fermer. Voilà, monsieur Sylla Bouba, c'est à vous l'antenne. Ah oui, merci bien, monsieur Bangoua, mais moi j'aurais préféré que qu'on accorde les 1 minute que monsieur Si a demandé, c'est mon frère. Ah voilà, la NGR... C'est mon frère du parti, alors ils ne pourront pas parler tous les deux ensemble. D'accord, alors, donc monsieur Si, mon frère, voilà. Allez, vas-y. Monsieur Si, allez-y, après vous, je vais continuer, s'il vous plaît. Ouais. Merci monsieur Silla, et bienvenue sur les antennes de la grande radio Bascotte. Je vais commencer par faire un adage sous, comme on le dit, sous le Ngwari Hafala Santu Ngwari Ben. Excusez-moi de l'expression. C'est l'UFDG qui se fait passer pour donneur de leçons. Ça ne va pas en Guinée, ça ne va pas, il n'y a pas d'emploi, les jeunes sont fatigués, la sécurité n'existe pas. Un parti dirigé par quelqu'un qui a fait 11 ans sur 24, qui a vendu les rails, qui a vendu un Guinée, qui a vendu Guinoma, qui a vendu Sogetrag. On nous parle de transparence. Quelqu'un qui, contre tous les principes de la République, va prendre 5 milliards de contribuables guinéens et vient sur une des radios les plus écoutées à Conakry pour dire que non, ce n'est pas l'argent d'une institution, mais c'est l'argent d'une personnalité que lui il représente. C'est lui, c'est son argent, l'argent du contribuable guinéen. C'est ce monsieur qui va dire aux Guinéens qu'il va changer la Guinée. C'est dommage. Monsieur Traoré, s'il est à l'écoute, ce n'est qu'un début. S'il continue, ils vont le briser. Je vous rappelle que c'est dans les habitudes de l'UFDG. Souvenez-vous de ce qu'ils ont fait à leur allié qui était la NGR à Kindia pendant les législatives de 2013. Souvenez-vous de cela. C'est un parti, comme Bantamaso l'a dit, c'est un parti de terroristes. Ce n'est pas un parti politique. Je dis Jacques, M. Bangoura. C'est ça la vérité. On condamne monsieur. J'ai l'impression que ce sont les émotions qui passent, ce n'est plus la logique politique qui parle. Sincèrement, M. Bangoura, c'est pas bon. On parle de M. Traoré, on parle de Guillaume, on parle de M. Bouba. Monsieur Condé,
Monsieur Monsieur Condé, matière de mauvaise gestion en Guinée. Quand on parle d'insécurité, les matières qu'on a connues en Guinée, qui ont rendu la vie difficile aux Guinéens, c'était avec quel régime? De qui? C'est Oudal N'Diallo. Nous avons assisté au procès des gangs en Guinée. Il y a eu combien de victimes? Tout qu'on a cru terrorisé pendant plusieurs années, jusqu'à l'ambassade de Chine, à l'ambassade d'Allemagne, à l'ambassade des États-Unis, il a fallu qu'il frappe là où il ne fallait pas frapper, pour que les autorités se lèvent. On se rappelle de ça. Donc ce n'est pas à ce parti de nous enseigner la morale. Il est mal placé. Merci, M. Bangoula. Merci à vous, M. Si. Voilà, M. Boubacilla, à vous l'antenne maintenant de fermer cette émission. M. Samatunga, on aura l'opportunité de faire des débats comme ça, hein, avec l'UFDG, entre l'UFDG et les autres partis. Mais moi, j'aimerais faire un débat avec l'UFDG. Il n'y a pas de tout équilibré. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. À n'importe quel moment, M. Bangoura, sans les émotions, bien sûr, voilà, je serai là au rendez-vous. Il y a des fois des émotions, mais on pourra les contrôler. Il n'y a pas de problème. OK. Voilà. Merci à vous, monsieur, mon frère Safa. Alors, M. Silla Aboubakar, de la NGR. C'est à vous l'antenne de fermer cette émission de ce soir. Vous avez l'antenne. Allô, Bouba Silla. Oui, vous me suivez? Voilà, on vous entend maintenant. C'est à vous l'antenne. Alors, je disais bien, merci, M. Bangoura, et merci au panel, et surtout merci aux éditeurs, et nous disons grand merci. Et du courage et surtout l'audacité de M. Traoré de venir ce soir partager ces moments de défiance, ces moments de douleur, ces moments de regret avec nous. Bien avant de commencer mon oratoire, d'abord, je vais m'adresser personnellement à mon frère Lamine Condé. Mon frère Lamine Condé. Vous avez une terminologie que vous utilisez à tout moment, et le jour où je vais vous voir, nous allons le discuter, et j'aimerais bien que, vous êtes un homme intellectuel, très, très, très généreux, très gentil, très respectueux, mais le conseil que je suis en train de vous donner, c'est comme si c'est Bouba qui vous le donnait. La Théo qui est là aujourd'hui, perçoit sous son âme et qui est en train de vous le dire. C'est quoi? Arrêtez de parler de l'ethnocentrisme dans vos narrations. Tout de suite, quand vous avez donné la parole, ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui ne connaissent pas mon rapport avec mon frère Lamine Condé, c'est un jeune frère à moi. Son grand frère, Bouba, c'est mon ami d'enfance, que la personne sur lui encore une fois de plus. Arrête d'utiliser le problème d'ethnocentrisme dans tes phrases. Je vais te le dire en bon sou, parce qu'il va falloir se ruiner. Et toi, Wany, Souri, il y a Wany, Falé, dans ses phalaries. Il n'y aurait, comme Traoré a problème, Barafini, Souci, Fira, alors, Dinara. Inouye Neki, tu touches toute une ethnie. Et ce n'est pas avantageux pour ton UFDG, pour ton parti. Tu peux être de la NGR, tu peux être de n'importe quel parti. Et Inouye, en tant que politicien, un rassembleur qui a l'idée de rassembler toute une nation donnée, tu ne fais pas parti prise. Surtout qu'il respecte Radio Ema. Il respecte Radio Ema. Moi, ça, c'est une radio que j'écoute hebdomadairement chaque samedi après le boulot. Je suis branché sur cette radio, mais je ne parle pas. Vous savez pourquoi je ne parle pas, je n'interviens pas? Quand mon frère Mohamed Si intervient, NGR n'a plus besoin d'intervenir.
Nous, la NGR, c'est la responsabilité. C'est la déontologie de la NGR. C'est la responsabilité. C'est la personnalité. Si parle aujourd'hui, Mohamed, si parle tout de suite là de la NGR, et que moi aussi je viens parler de la NGR, qui, en fin de compte, je veux contrôler M. Si. Ça, c'est la stratégie de la NGR. Quand un cadre de la NGR s'exprime, nous n'avons plus besoin de nous exprimer. Il parle au nom de tout un chacun de nous. Moi, je suis un membre au même pied d'égalité que M. Si du bureau exécutif de la NGR. Ça, c'est d'abord mes remarques. Ma remarque friande finira Nassira. Je m'excuse beaucoup. C'est une dame à laquelle j'ai beaucoup de respect. J'apprécie beaucoup ses idées. Mais quand vous parlez d'un leader politique sur les antennes, ne parlez pas de sa vie familiale. S'il vous plaît. Ne parlez pas de sa vie familiale. Quand vous voulez me faire comprendre que je parle de la dame qui est à Londres, je m'excuse beaucoup si vous vous sentez très très offensé, mais c'est ce que je ressens. Quand vous venez sur la radio, vous voulez parler de notre président, parce que ça me semblerait que vous êtes membre de la NGR, branche de Londres, j'aimerais bien vous rencontrer un jour, en disant que quand Adesla est venu chez vous pour faire sa première rencontre avec la communauté guinéenne, elle est venue avec son fils. Vous n'avez pas besoin de dire ça, madame. Ça, c'est personnel. C'est une guise de confiance qui est faite qu'il vous a fait montrer son fils. C'est-à-dire, quand nous parlons de débat politique, c'est pourquoi je n'aime pas beaucoup intervenir, il faut avoir la tête sur les épaules. La politique, c'est l'émotion, M. Tunkara. La politique, c'est l'émotion, M. Condé. On ne peut pas parler de politique sans l'émotion. L'émotion est la vigueur essentielle du politique. Si je me fais bien comprendre. On a envie de faire quelque chose pour son pays, pour sa communauté, pour son ethnie, pour sa société. Alors l'émotion, elle est existante. Alors, il ne fait pas de reproche aux gens, soi-disant que quand ils expriment leur volonté, leur capacité réflexive qui les permettent de dire ce qu'ils veulent dire. Dire à quelqu'un, vous êtes là en train de vous exprimer dans l'émotion, c'est une manière de toucher à l'habilité morale de la personne. Moi, je ne le fais pas. J'écoute toutes les émissions, hein. C'est quand c'est vraiment, toutes les émissions c'est important pour moi. Toutes les interventions, je les apprécie, je tire profit. Quand M. Tunkara, Papa Tunkara s'exprime au nom de la NGR, je prends mon stylo, je rédige des points. Quand on est là, on parle de l'UFR, je rédige des points que je peux utiliser demain en faveur du progrès social, économique et culturel de la NGR. C'est ça la structure humaine d'un cadre de la NGR. Quand s'il intervient, moi j'ai plus besoin d'intervenir. Peut-être lui et moi, on se parle peut-être une fois dans l'année, ou bien c'est quand on nous rencontre à Conakry, et puis on se bouscule, et puis on discute de ce qu'il y a à discuter, et puis c'est fini. C'est ça, parce que nous voyons l'avenir dans ce pays, dans ce parti. Alors, la malchance que j'ai eue aujourd'hui est que je n'ai pas eu l'opportunité de poser la question à mon frère. Ma première question que j'allais poser à M. Traoré, c'est sa sécurité. La sécurité finalement, on compte faire le tour. Est-ce que aujourd'hui, il est là en résidence surveillée, c'est-à-dire politique. C'est très important, je dis bien en résidence surveillée politique. Est-ce que le cadre de mouvement se limite seulement au niveau de Sandvalia, de Corentin, jusqu'à Bourbine? La sécurité, Nadi. Voilà un jeune qui a vendu son âme à la cause d'un parti.
Moi, je ne suis pas là pour attaquer le parti de l'UFDG. Moi, j'attaque l'UFDG, c'est quand l'UFDG fait attaque à mon président ou au soutien de mon parti. Mais la sécurité fait, M. Bangoura, M. Si, pourquoi? Parce que voilà un monsieur qui s'est fait dent avec RPG pour la cause du leader politique de l'UFDG et de sa politique en Guinée. Sabotage Yomoulou Ramna Ansar Alpha programme Fali. On a roulé même. Après contre Fili, c'est pourquoi aujourd'hui, il demande clémence au peuple de Guinée. Il demande clémence à RPG. Il demande clémence au président de la République. Il demande clémence à tout un chacun de nous, compte tenu de son, je dirais pas son comportement personnel, mais son comportement politique, c'est-à-dire l'instruction qui lui a été donnée, c'est-à-dire les directives qui lui ont été données pour pouvoir s'exprimer sur les antennes ou dans les meetings pour la cause de quoi? De l'UFDG. Mais moi, je ne suis pas étonné. C'est pas la première fois, mais je sais. C'est pas la première fois que nous vivons de telles bavures. Mais ceci, vous et moi, on a travaillé dans la transition, du moins dans l'opposition de la transition en 2012. Vous et moi, on a galéré à Conakry. Il y a que nous. On a fait des plénières. Quand nous étions là, avec le groupe de Kouyaté, de Sidia, de Aboubakar, de Seludalé, de NJRN, de Jessie, ceci, cela. Nous avons travaillé. Nous avons sacrifié nos familles ici. Moi, ma famille a été délogée derrière moi seulement pour pouvoir garantir une transition législative pour le pays. C'est pas s'asseoir en Occident et parler sur les antennes de l'Occident qui fait de vous vraiment un leader précieux d'un parti politique, ça sur le terrain en Guinée. Est-ce que tu es prêt à accepter les piqûres des moustiques à Yomou, comme moi? Non? Est-ce que, en tant que quelqu'un qui vient de l'Occident, plus de 20 ans en Occident, tu es prêt à rester, c'est-à-dire soif de boisson, de l'eau, l'élément le plus principal de la vie d'un être humain, parce que tu n'as pas d'Évian, tu n'as pas de Koya, tu es où? Tu es à Mangana. Et pour trouver de l'eau, il faut aller jusqu'à Cancan. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce sacrifice pour le peuple de Guinée? Nous, on l'a fait. Nous l'avons fait. Moi, je l'ai fait. Les cadres de la NGL l'ont fait. C'est pas s'asseoir, dire que oui, je suis président du rassemblement de ceci en Occident, de par là, de par-ci, par là. Non, c'est pas ça la réalité de la Guinée. La Guinée, c'est d'aller dans les villages là-bas, à Timbi Madina, à Yemberin, ou bien à Koyin, ou bien dans le Bagata profond là-bas, rencontrer la population, voir dans quel état ils sont là. Partager le pain et avoir soif. Et on te donne de l'eau, tu as soif, tu as peur de boire de l'eau. Pourquoi? Parce que tu es un homme de l'Occident. Tu as peur de diarrhée. Tu as peur de maladie. Tu as peur de malaria. C'est la réalité de la Guinée. Alors, c'est pas le diplôme. C'est pas parce que vous avez le MBA, ou bien vous avez ceci, cela, vous avez le master par là qui font de vous la personne la plus qualifiée pour diriger le pays ou pour diriger un bureau. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pour diriger un pays, c'est le patriotisme, c'est la volonté. Monsieur Ismaël Bangoura qui vous parle là, qui vous fait la narration aujourd'hui, qui est panéliste, qui a créé cette radio, son père, c'était le deuxième secrétaire fédéral de Conakry 3. C'est la réalité des choses. Est-ce qu'il a eu son master degree? Non. C'était un patriote avec Khalil Diallo.
diriger cette population vers un bonheur à Dieu, qu'ils ont fondé. Écoutez, la Guinée a eu trop d'intellectuels. Quand est venu, tout le monde a pris ses bagages, nos aînés, nos papas, nos grands-frères qui étaient en Occident, qui étaient sortis depuis 58, ils sont rentrés en Guinée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est nous, les diplômés des universités occidentales, qui bousillons ce pays. C'est nous qui bousillons ce pays. Pourquoi? Parce que nous laissons nos enfants derrière nous, qui vivent en Occident, dans les locations, tout et tout. Alors notre premier devoir, c'est de nous trouver tout de suite un local, une maison, en Occident. C'est notre première mission. Une fois au pays, c'est la réalité. Alors ça, c'était tout juste une parenthèse. Revenons maintenant dans le cas de M. Diallo et de M. Traoré. Ce n'est pas une leçon que nous devons donner à tout le monde. Monsieur Si, calmez-vous. Ce n'est pas la première fois. Le fondateur de l'UFDG a été victime de cela, Baouri. Nous savons, nous sommes crachés dessus ici dans les débats, tout et tout. Tentative d'assassinat, radié du parti, ceci, cela, sans congrès, rien. Vous oubliez que M. Traoré a été élu à l'issue d'un congrès du parti politique du FDG. Alors si l'UFDG doit prendre des sanctions contre ce monsieur, ça a l'issue du comité exécutif ou d'un bureau juridique ou de sanctions au niveau du FDG. Je ne suis pas là à dire comment l'UFDG doit fonctionner. Il fonctionne bien, comme le disent leurs militants. Ça marche, c'est bon. Mais une chose reste claire. La Guinée, c'est pour nous tous. Chacun dira ce que bon lui semble. Chacun fera ce que bon lui semble, mais que ça soit vers un progrès national. Je suis là une minute rapidement, une minute avant de oui. Alors, un des leaders de UFDG que j'ai eu à rencontrer au mois de décembre passé devant le plus grand centre d'internet en Guinée, j'ai oublié le nom, la chose sur l'avenue de la République. Il m'a dit, c'est un de mes grands frères, un de mes aînés, parce que j'ai travaillé avec lui en 2012. Il dit, petit frère, tu es revenu? J'ai dit, oui. Mais tu viens pour la politique? J'ai dit, non, j'ai perdu ma grand-mère. Il dit, mais écoute, là, vous ne pouvez même pas gagner. J'ai dit, mais comment? Il dit, parce que le championnat, vous êtes en deuxième division. J'ai dit, qui? Il dit, l'Angers. J'ai dit, ah bon? C'est nous qui sommes dans la première division. J'ai dit, ok. C'est un match de football, non? Ils ne sont pas dans la deuxième division. Mais est-ce que dans la Fédération guinéenne de football, il y a la Coupe nationale de football? Il dit oui. J'ai dit, est-ce qu'une équipe de deuxième division peut jouer la Coupe nationale de football? Il dit oui. J'ai dit, alors? Tu n'as jamais vu une deuxième équipe, une équipe de deuxième ou troisième division ou bien série A en Angleterre ou en France qui a gagné la Coupe de France ou la Coupe d'Angleterre? La Coupe nationale est la coupe la plus précieuse d'une nation. Ce que je veux dire, je ne vais pas dire ici que M. Traoré doit faire ça, doit faire ça. C'est un homme mûr, c'est un homme politique. C'est-à-dire, on dit généralement en langue peule que la nourriture, c'est pour se nourrir. La nourriture, le riz, c'est pour se nourrir. Le maïs, c'est pour se nourrir. Le fourneau, c'est pour se nourrir. C'est pas pour grossir. On dit ça dans l'adage peul. La réalité, c'est quoi? Ce monsieur, vraiment aujourd'hui, moi, je m'inquiète de sa sécurité. Je m'inquiète beaucoup de sa sécurité. Qu'est-ce qui pourra l'arriver? On a vu des cas d'assassinat en Guinée. Qu'est-ce qui peut l'arriver demain? C'est la réalité des choses. C'est pas ce qu'on lui a donné ou pas, non. Mais écoutez, c'est seulement en Guinée que un cadre d'un parti politique est élu, secrétaire fédéral d'une circonscription et qui ne reçoit pas d'indemnité. C'est seulement en Guinée. C'est seulement dans la politique guinéenne. Donc vous voulez dire que l'UFDG doit assurer la sécurité de M. Traoré
À l'heure où nous sommes, s'ils veulent vraiment que ce monsieur reste dans leur parti, il faut d'abord assumer une garantie sécuritaire pour ce monsieur. Pourquoi? Parce que je vous dis que UFDG, des membres de l'UFDG, des militants fanatiques de UFDG aujourd'hui en veulent à ce monsieur à la gorge. C'est la réalité. La même façon, il en voulait à Baouri. Il a fallu des moments quand Baouri marche à Conakry, qu'il soit protégé, comme Dadis marche à Conakry. C'est la réalité. Aujourd'hui, Mouktar, mon ami Mouktar, a peur de marcher à Conakry. Alors là, alors, ça, c'est des problèmes, hein. Mais c'est des problèmes. C'est bon, ce que nous devons dire. Une fois qu'il y a un dirigeant qui a mouillé son maillot, comme le disait mon aîné, je ne vais pas mentionner son nom, peut-être il va écouter, il va rigoler dans son salon. Alors, comme il le disait, alors un joueur qui mouille son maillot, 90 minutes, 120 minutes de prolongation, alors on est proche de tir au but, on l'écarte, pourtant que c'est l'un des meilleurs buteurs de l'équipe. Alors, lui maintenant, il a peur. Quand il sort dans la rue, il a peur. On dit, mais écoute, toi, mon mec, il fallait tirer ce pénalty. Pourquoi tu n'as pas tiré? Alors, Traoré, aujourd'hui, a des réponses à donner aux militants du UFDG. D'accord, monsieur, c'est là. C'est la réalité. Et manifestation n'a pas fait Kaloum, Pina, le 16, Amoulama. D'accord. Amoulama. N'en fait pas Amoulama. Il est le secrétaire fédéral à Mouké de Siméri. Alors, il n'a pas tout, administrativement, législativement, à Nandinara. Alors, Khamen Moulan, monsieur Bangoura, écoutez, Khamen Moulan, quand UFDG a manifestation Kaloum, parce que c'est la première fois que UFDG vraiment veut vraiment manifester, comme le disait M. Papa Tunkara, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de ceci, pour des raisons de cela. Kaloum Moulan, alors il va là tout, aura insécurité voilà, aggravée. Monsieur, je peux vous poser une question? Voilà, on est Mais il y a des centaines de cadres à travers le monde qui écoutent toutes les émissions. Mais nous, c'est la discipline. Quand quelqu'un intervient, on aime la NGR, nous serons pas là. On va vous inviter. Voilà notre slogan, nous, la NGR. Préparez-vous. Nous partons vers les élections de 2020. Ouais. Notre question qu'on pose à tous les leaders guinéens aujourd'hui qui sont en train de briguer la magistrature suprême, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour ton pays sans les caisses de l'État, sans le trésor de l'État? Qu'est-ce que tu as fait en tant que personne, en tant que fils guinéen à la Guinée sans le trésor de l'État pour les 10 dernières années? Sans la caisse de l'État. Merci à vous, monsieur. Alors, mes frères et sœurs, merci bien. Et puis, à la prochaine, merci, peut-être je vais intervenir vers Christmas, ok? Voilà. Alors, merci bien. Madame, rapidement, vous avez un mot à dire parce que l'élection va partir directement. Ça va se couper. Ça risque de se couper. Parce que ce qui vient de faire une accusation très grave, j'accepte que, voilà, peut-être il n'a pas compris. Et pour le respect que j'ai aussi pour lui, je n'ai pas dit Abessilé est venu chez moi. J'ai dit Abessilé est venu ici en Angleterre.
Je vous ai dit, j'ai pas besoin que quelqu'un, quand je suis pour un leader, j'ai pas besoin qu'il y ait une relation entre nous ou que je croise le leader. Je fais le combat parce que c'est le leader qui est là, qui pourra peut-être me donner l'opportunité à ce que mes vœux soient réalisés. Donc j'ai pas besoin de le connaître. Abbé Sylla n'est pas venu chez moi, monsieur Sylla. J'ai dit, quand Abbé Sylla est venu en Angleterre, le groupe de jeunes qui était chez moi, qui partait à la réunion de monsieur Abbé Sylla, ils partaient tous dans le but, parce que le monsieur avait de l'argent. Quand vous, comme on appelle ça, vous essayez de faire partie de son parti, vous pouvez vous enrichir. Ouais. Et c'est pour cela que j'ai dit, je donne le conseil à ces leaders de faire attention avec qui vient vers vous pour dire qu'il est là. Pour que le parti vienne au pouvoir, pour servir le parti, pas pour se servir. Et après, comme j'avais une relation, okay, un ami à moi qui était son fils, je lui ai demandé le programme. Donc il y a 3 cas différents qui se sont passés ici. C'était ça que je voulais vraiment, comment on appelle ça, éclaircir, M. Bangoura. Je vous remercie et on se retrouve samedi. Merci à tout un chacun. Je vous souhaite un éclaircissement. Je suis pris par le temps, on doit transmettre l'émission. M. Kondé, je m'excuse très d'accord, fort. Je ferai des débats avec vous, l'UFDG et la NGR, dans les prochains jours à venir. Il n'y a pas de problème. Partez sur Internet, dans 30 minutes, l'émission sera disponible. D'accord. Si, invitez M. Sylla, s'il vous plaît. Invitez-le, s'il vous plaît. Voyons. La 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 la
Tous les matins, 7h-9h, entre musique, ok, tu veux du son, Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire un bon, en disant, excusez-moi, c'est moi, que de faire, parce que le deux à moi, c'est info et météo, facilite.